Bonjour et bienvenue sur Gamebox. Aujourd'hui, un gros podcast numéro 4. Enfin, normalement numéro 4, parce que si vous avez suivi, on a eu des problèmes techniques. Alors peut-être que vous le découvrez avant le 3 ou le 2. Enfin, je sais pas trop. Ça, c'est les affaires de Nico Chef. Quoi qu'il en soit, c'est un gros podcast plein d'émotions et de sentiments. Attention, pas forcément que des bons. Il n'y a pas que du rire et de la joie là-dedans. D'ailleurs, si vous regardez l'écran, vous allez voir un truc un peu psychédélique. Mais bon, ça, c'est pareil. C'est Nico Chef qui vous expliquera plus tard. Si je peux, ouais. S'il arrive, effectivement. Bon, vous aurez compris donc déjà qu'il est là avec moi. Ce soir, des gens qui suscitent eux aussi beaucoup d'émotions en moi, à commencer par le meilleur d'entre nous, le leader incontesté et adoré. Il nous inspire et fait naître en nous une admiration sans faille. Bonsoir, Nico Chef. J'ai attendu quand même jusqu'à la fin. Des fois, tu m'aurais fait une blague, genre Freddy ou Laurent. Non, ça va. Oui, bonsoir à tous. Il n'y a qu'à toi que je peux lécher le cul, les autres ils sont même niveau que moi, donc il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Le deuxième participant, lui, ce serait plutôt la personnification de la surprise, que ce soit à cause des sujets qu'il traite ou des conversations qu'il peut tenir. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Voilà, et de son bonjour aussi, qui est un peu bizarre. Bonsoir. Et surprenant. Troisième participant, qui est probablement le plus énervant, parce que lui, il comprend ce qui se passe derrière l'écran, alors que nous, on fait que jouer. Et il connaît des gens. En plus, il connaît des gens, à ce qui paraît, mais on peut pas en parler, parce que, voilà. Mais pour moi, c'est surtout une bonne raison d'être jaloux. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. En plus, il a cette petite voix, la James Bond, bonsoir. Comme s'il avait été. Salut. Un martini, s'il vous plaît. Et enfin, il y a moi, Sadzer, qui, malgré mes innombrables qualités, mon puits de connaissances sans fond et mon admirable talent, vous trouvez ma photo dans le dictionnaire, juste à la définition d'humilité, comme d'habitude. Et c'est parti pour le quatrième podcast. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler une fois de plus de souvenirs et de références. Et alors, est-ce qu'on présente le jeu en fil rouge maintenant, Nico Chef? C'est un petit peu comme vous voulez. On peut faire ça. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, le jeu en fil rouge, alors va traiter d'émotions sans en traiter, puisqu'il s'agit d'Extase. Tu me dis si je me trompe, hein, qui est sorti si en 90. C'est ça, oui. Merci Wikipédia, qui est sorti en 90, qui est le premier jeu de Cryo Interactive en tant qu'éditeur indépendant. Ouais. Ce qui ne leur a pas forcément réussi, parce qu'à partir de là, ils ont sorti que des jeux chiants, j'ai l'impression, du genre Versailles, Venise, Égypte, etc. Non, parce qu'il y a eu Dune, il y a eu KGB, je suis pas d'accord avec toi. Il y a eu Lost Eden aussi, qui était magnifique, qui était très court. Mais un peu chiant très, très aussi. Bien. t'avais pas le temps d'être chiant, il était court. Ah. Mais il était extra, la musique et tout, c'était très très beau. Ouais, c'est un jeu bien, mais qui a failli être chiant, mais qui l'a pas été. C'est pas mal, ça. C'est un concept. C'est, oui. Non, mais avant, ils avaient sorti d'autres trucs, mais c'était sous je sais plus quel label, Exos. Genre Macadam Bumper, merci. Genre Macadam Bumper, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, bon, voilà, ils ont pas... Il y a eu Cult aussi, surtout. Mais oui, je veux dire, par rapport à tout ce qu'ils ont sorti, il n'y a pas eu non plus que des... Ils sont plus connus de par leur nom que par leur jeu, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, oui. Ouais, voilà. Laurent était plus rapide que moi, mais moi, je sais que Laurent a pas été d'accord avec toi, j'ai l'impression. Je suis pas forcément objectif avec Cryo, parce que j'avoue que Dune, ça doit être le jeu que je préfère, donc que j'ai retourné dans tous les sens. Je pense que Laurent est d'accord avec moi. Et c'est surtout qu'aussi, avant de créer Cryo, l'équipe d'Exos bénéficiait déjà d'une aura pour les possesseurs d'ordinateurs 8 et 16 bits, qui était déjà, je veux dire, quand ils ont annoncé Cryo, c'était pas possible qu'ils fassent un mauvais jeu. Je veux dire, c'était sûr qu'ils allaient nous faire un truc qui allait tout déboîter. Pour Extase, c'est ça qui les a, perdus d'ailleurs. Ah, tout à fait. Parce qu'à force, c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il y avait trop d'attentes. Là, il y avait beaucoup d'attentes et du coup, ils se sont lancés dans des projets faramineux. Je pense en particulier ce qui les a tués, ça a été Mankind. S'il avait été fini. Mankind, s'il avait été fini sur le papier, c'était l'un des premiers jeux massivement multijoueur, et il y avait un univers exceptionnel. Enfin, mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement acculés financièrement qu'ils l'ont sorti, il était fini, je sais pas, à moitié. Même et pas. Voilà, chef-d'œuvre avorté complet. Moi, je l'ai acheté pour tester. J'ai jamais réussi à faire des marques. Ah, c'était donc toi le seul acheteur? Ah, c'était ça. J'ai essayé de contacter la hotline et tout, j'ai jamais réussi à le démarrer. Ouais, non, mais voilà, c'est le problème des studios et des jeux qui ont trop d'attentes sur les épaules, c'est forcément mauvais par la suite, quoi. Ou en tout cas pas à la hauteur, même si c'est sympa, Après, pour revenir un petit peu à Cryo, effectivement, il y a eu Mankind, mais moi je pense que ça a commencé à partir en cacahuète à partir du moment où ils ont commencé à faire des jeux qui étaient très beaux, mais, comme vous le disiez tout à l'heure, très chiants. Tu m'excuses, bon, Lost Eden, ouais, c'était bien, mais... Sublime et très chiant.
un peu chiant. Mega Race, c'était sympa quand même. Ben moi, Mega Race, j'étais déçu par Mega Race parce que ouais, les décors étaient en précalque. C'est vrai que ça a donné l'impression que c'est très joli. T'avais le présentateur qui arrivait, ça donnait une petite touche funky. Mais je suis désolé, mais carré, j'ai pas trouvé ça super fandard, quoi. Je me suis pas forcément. Je vous laisse encore deux minutes sur Cryo, après on passe à autre chose. Bon, d'accord. Allez, ouais. allez, les enfants, disputez-vous. Non, Extas, c'est un des premiers jeux Cryo et c'est surtout, un des meilleurs qu'ils aient fait. Et qui reprend le principe d'un des jeux de, enfin pas d'un des jeux, mais d'une des parties dans Purple Saturn Day. D'une des épreuves, voilà, merci. Puisqu'on y est, s'il vous plaît, on va arrêter avec Cryo, mais est-ce que, juste un petit résumé du jeu, ça consiste en quoi, cette grosse tête? Bah, en fait, c'est une créature, robot, en fait, qui... Une androïde. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, ça se joue toujours à deux, soit un contre un, ou soit un contre l'ordinateur. D'accord. Ok. On doit essayer d'envoyer des impulsions électriques à son cerveau, pour lui faire ressentir différents sentiments, en fait. D'accord. Voilà. Le but, en fait, c'est de réactiver les sentiments humains pour la rendre plus humaine. Merci. C'est comme ça qu'on finit le jeu. Exactement. Bien joué. Ah ouais. Merci. C'est un peu l'ancêtre de... Il y a Quantic Dream qui avait fait une vidéo là-dessus, là, qui avait fait un petit effet il n'y a pas longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant, là, sur un androïde qui a des sentiments et tout ça, là. Oui, c'est ça. Il y a aussi il y a un film comme ça qui s'appelle Ex Machina qui est sorti cette année, également au cinéma, sur ce principe-là, qui est très très bien, je le conseille. Merci, Frédéric. Je l'ai pas vu, mais je te crois. En plus, Ex Machina est extraordinaire, il a malheureusement pas marché, mais... Oh, il est superbe. Super. Comme la plupart de ce qui est bon, généralement, tout ce qui est bon, ça marche. Il viendra culte dans quelques années. Oui, voilà. Bon, on parlera de ce sujet, de tout ça un petit peu plus tard. On va revenir à notre sommaire, enfin plutôt à notre podcast, et on va commencer tout de suite avec mon souvenir, avec votre souvenir qui est donc lié au thème du mois, à savoir les émotions dans le jeu vidéo, émotions, sentiments, etc. Donc, quel est votre souvenir le plus marquant? On va commencer par Nico Chef. Ouais, j'aime bien. Comme par la présentation. Oui, ben. Alors moi, le souvenir le plus marquant que j'ai eu, en tout cas dans ce domaine-là, c'était Resident Evil 2. Ouais. Je vais surprendre un petit peu, mais c'est vrai que j'ai toujours été plutôt fan de tout ce qui était film d'horreur, tout ça. Donc ça surprend parce que c'est relativement récent par rapport à tes goûts habituels. C'est surtout ça. Merci les mecs. Ce que j'aime bien avec vous, c'est votre soutien, parce que bon, les gens qui écoutent le podcast ne le savent pas, mais en off, je me fais déjà charger. Je précise tout. Ouais. Si, mais tu aimes ça. Ouais, vas-y, bon. Cosette, fais-nous pleurer. Vas-y. Je peux essayer si vous voulez. Vas-y, alors Resident Evil 2, donc. Ouais, donc Resident Evil 2. Non, Resident Evil 2, si vous voulez, donc je suis pas plutôt du genre à avoir peur assez facilement, mais moi c'est le premier, bien après Resident Evil 1, qui m'est fait vraiment flipper. Parce que bon, je sais que les avis sont assez partagés sur le premier épisode. Moi, sur le deuxième épisode, je sais qu'il y a des moments, déjà t'as le fait, c'est inhérent à tous les Resident Evil d'avoir le personnage qui ne peut pas tirer et bouger en même temps. Ouais, c'est vrai que t'as plus de profusion, t'as plus de monstres que dans le premier, donc ça pourrait gâcher l'effet de surprise, mais je trouve qu'il y a quand même ce côté cinéma qui a été encore accentué par rapport au premier épisode, qui nous donne des moments où vraiment tu flippes. Par exemple, quand t'es dans le commissariat, dans le couloir, et que t'as la bête qui casse le bois pour t'agripper, ou quand tu t'aperçois que t'as un monstre qui est au plafond. Enfin, c'est pas dans celui-là qu'il y a le miroir Santin aussi. Enfin, le miroir Santin. Ouais, que t'es au commissariat, tu vas dans une salle d'interrogatoire, tu vois un truc qui brille à travers la vitre. Oui, t'as les liqueurs qui arrivent. Et t'as le liqueur qui arrive et qui, en cassant la vitre, oui, du côté où tu le vois pas, enfin du côté. Oui, salle d'interrogatoire. Sachant que il y a truc à ce niveau-là, si je me rappelle bien, suivant le personnage que tu incarnes, le liqueur s'apparaît ou n'apparaît pas, ou change de pièce. C'est exactement ça. Là. Mais tout ça pour dire, donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est que au niveau de la narration, ça emprunte beaucoup de codes qui sont issus du cinéma, mais je trouve que ça fonctionne super bien. Et le fait que toi, tu sois derrière la manette, j'ai trouvé ça vraiment flippant. Le début, quand t'es lâché dans la ville, en plein milieu des zombies, sans compte, il y a pas de tutoriel ou quoi que ce soit, donc on dit tiens, démerde-toi, si t'as pas joué au premier, tant pis. Et quand ça t'arrive dans la vraie vie, ça, tu sais pas trop quoi faire, quoi. déjà en jeu, tu sais pas trop quoi faire, alors. Ouais, et puis en plus de ça, je veux dire que ce soit l'animation, les graphismes, la musique, les dialogues, on avait vraiment l'impression, c'est un des premiers jeux qui donnait l'impression d'être dans un film interactif. C'est vrai. C'était l'un des premiers, je veux pas dire le premier. Disons un film interactif réussi, parce que. Et réussi, bien sûr, voilà, il y en a eu d'autres avant.
on passe sur les Dragon Slayer qui s'appelaient des films interactifs, mais qui étaient... Tout à fait, qui étaient pas des jeux, en fait. Voilà, qui étaient que des jeux et pas des films, ou que des films et pas des jeux, selon le point de vue, hein, mais bon, après, on a déjà... films interactifs, vous avez eu plein de choses sur Mega CD, donc là, on reste vraiment dans du jeu. Alors, Resident Evil, c'est quelque chose qui emprunte beaucoup au cinéma et qui le retranscrit en jeu vidéo, qui est pas que copié, mais qui le traduit, entre guillemets, ouais, qui le traduit dans le langage du jeu vidéo, quoi. Et qui même le transcende dans ça, oui, c'est vrai. C'est beau quand vous parlez comme ça, les mecs. Ouais, alors que les ancêtres, toi, c'est vrai. Vas-y. Mais c'est pas grave. Donc, Resident Evil 2. Ouais, Resident Evil 2, ouais, pour le meilleur souvenir, ça, clair et net. Bon. Pourquoi pas. Freddy, à toi. Alors moi, je vais vous demander, est-ce que vous savez qui est Giorgio De Chirico? Bah, c'est non. Un catcheur célèbre qui est connu. Exactement. Pour son torpedo. Exactement, mexicain, tout à voilà. fait. Je vois que tu connais. Non, non, c'est un peintre italien, donc qui date de... Il est mort un an avant ma naissance, donc voilà. Et vachement vieux. Voilà, je veux pas vous parler de ma naissance, hein, je suis né au siècle dernier. Mm-hmm. Et voilà. Et cette personne-là a inspiré graphiquement un certain... Fumito Ueda. Ah ouais. Qui est un catcheur japonais. Exactement. Je vois que tu as des références. Ah donc... non, et c'est pas ça. C'est pas lui qui avait gagné le concours du plus grand mangeur de hot dog ou un truc comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Si je vous parle d'un jeu qui est produit par Kenji Kaido, ça vous dit... Non mais Fumito Ueda... Kenji Girac, qu'est-ce que Kenji Girac va avoir là-dedans? Mais non, c'est pas un jeu de gitan, mais arrêtez. Arrêtez, j'ai plein de blagues racistes qui me viennent à l'esprit. Non, donc Fumito Ueda, il a fait que deux jeux de façon légale. Le troisième, voilà. On l'attend toujours, il sera même pas dessus. Donc c'est soit Ico, soit Shadow of the Colossus. Et voilà, et c'est forcément le premier, Ico, parce que j'ai beau être fan des deux, mais vraiment des deux, je les ai tous les deux en édition collector sur PS2, pour dire, et je les ai parcourus en long, en large, en travers. Mais alors Ico, premier du nom, je crois que c'est celui qui, au niveau émotion, m'a le plus fait frémir, on va dire, en jeu vidéo, bien après des Resident Evil, etc. Celui qui va vraiment inspirer le plus de choses. Comme on peut voir, et on va reprendre la base Wikipédia, comme c'est la chose que tout le monde fait, les bons journalistes de TF1 de France de fond, hein, voilà. Ouais, c'est... Faut qu'on vérifie. Qui a dit ça? Eux, c'est plutôt dans le manuel des Castors Junior, mais après, chacun son truc, hein. Autant pour moi. Arrête, c'était bien le manuel des Castors Junior. Ils vont sur la Lune, ils peuvent parler aux extraterrestres et tout. Enfin, c'était génial. Oui, sauf qu'il a le défaut, c'est qu'il n'existe pas. Mais bon, après. Comment ça? Arrêtez, ça existe. Et Donald, il n'existe pas non plus, c'est ça? Mais si. Ah. Si, il mange tous les soirs avec le père. Et on parle d'émotion, les gars. Si vous commencez à faire pleurer à 7 heures, ça va pas aller, hein. Ouais, non, c'est bon. Voilà, hop, on est dans le sujet. Oui, bah voilà, pour y être, on y est. Et donc, pour revenir à Ico, oui. Voilà, on a deux personnages, on en dirige un des deux, et c'est une petite histoire, une petite amourette, entre, on va dire, deux enfants, adolescents. Et la petite phrase que j'ai bien aimée, donc pour revenir à Wikipédia, c'est « sous-tend une réalité affective ». Et je trouve que ça définit extrêmement bien, tant au niveau des sentiments que ça implique, que de la relation qui unit les personnages, ce que j'allais dire, c'est plus qu'une destinée le jeu. C'est plus qu'une amourette, parce que tu passes ton temps à lui sauver la vie, c'est quand même un château qui est envahi par les ombres et les monstres, enfin c'est plus qu'une amourette, là, généralement. Hein. Oui, non mais on est d'accord, mais je te parle au niveau des sentiments que ça implique, et du jeu, moi, uniquement. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est plus que juste une petite relation, ça implique quelque chose d'assez fort, malgré le fait que le seul lien ce soit la main, ça implique énormément. C'est ce qui crée le lien et c'est ce qui aussi l'émotion, parce que t'as envie de la secourir, la pauvre petite fille toute palote, maigrichonne, malade, ou presque. Je crois que t'en fais un peu beaucoup là. Oui, mais complètement, mais je l'assume. C'est bien. Enfin, voilà. Non, mais voilà, mais pour moi c'est un jeu qui m'avait laissé perplexe, c'est d'une poésie, mais pas sans limite, mais quasiment, quoi. Enfin, on n'avait jamais vu ça à l'époque où il est sorti en 2002 en France, là. Mm-hmm. Mais non, moi c'est mon jeu souvenir pour ce qui est des émotions dans le jeu. Il m'a fait passer dans la mise en scène aussi, les plans et la démesure du château dans lequel on évolue, avec un level design qui n'avait jamais été vu encore à l'époque. Hein, donc, oui, parce que ça reste un jeu avant tout quand même. Il faut qu'il y a beaucoup de gens entre Ico et Shadow of the Colossus qui parlent des émotions, des sentiments, tout ça. On dirait que c'est... Non, ça reste un jeu. Voilà, on dirait un livre de Barbara Cartland, quoi. Mais en fait, non, ça reste un jeu avec un gameplay, avec un level design, et c'est ce qui est fort, quoi, justement. Ah oui, non, mais complètement. Donc voilà. Ok, bon, mais pourquoi pas. Qu'un jeu, c'est celui-ci pour ce qui est des émotions. Très bon choix. Laurent, à toi.
ton souvenir? Oui, alors de mon côté, moi le souvenir, c'est l'un des jeux qui m'a fait le plus rire. C'est pas étonnant que ce soit drôle. Oui, c'est Duke Nukem 3D. Ah, il utilisait beaucoup sa main avec des femmes lui aussi, je crois. C'est pas non, voilà, mais je veux dire, c'était, on avait, pour replacer dans le contexte, à l'époque le jeu vidéo c'était un peu bébé, un peu gamin. On était un peu, pour la première fois moi qui étais jeune adulte à l'époque, je m'explosais de voir ce gros beauf qui voilà, le mec il va pisser, il va voir des stripteaseuses, enfin c'est tout est d'un univers de beaufitude. Les curseurs sont mis au maximum, ça m'a fait pleurer de rire. Ça m'a fait vraiment pleurer de rire et c'est une émotion, c'est pas faire rire, c'est très difficile même si je sais que je suis bon public, mais voilà, par rapport à d'autres choses, pour moi voilà, c'est un souvenir terrible. Ah mais je te rejoins, ouais, c'est vrai que ben en fait ce qui est fort c'est que c'est pas juste des punchlines ou de deux trois phrases comme ça que tu vas retenir, c'est plutôt tout le jeu avec beaucoup de séquences en fait. Donc c'est voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment une ambiance, un univers, une attitude. Oui, voilà, en fait des fois, en plus comme c'est un jeu assez addictif, on y repasse, donc les premières fois on est dans le feu de l'action et après on se rend compte que finalement les flics sont des cochons, c'est du qu'on peut donner des sous aux stripteaseuses pour qu'elles nous montrent leur sang. Oui, ce que j'allais dire, c'est tous les petits à côté après quand tu rejoues. Voilà, quand tu joues les premières fois, bon, t'es très concentré, t'es très dans l'action. Au fur et à mesure, tu connais le jeu par cœur, donc, et tu peux te concentrer sur autre chose, et c'est très très drôle. C'est vrai, ça a marqué son époque, et c'est vrai que depuis, il n'y a plus beaucoup de jeux dans ce genre-là. Il y a eu des essais, mais il n'y a rien qui a été au niveau de... Ah si, il y en a un qui est son digne héritier, c'est le standalone de Far Cry 3, Blood Dragon. Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai, parce que, c'est vrai. Les références années 80 et tout, c'est le c'est Blood Dragon cool. Était très très bon, le tutoriel débile, le design années 80 et tout. Ah pardon, c'est... Mais non, il m'a piqué mon truc. Non, tu as piqué ton émotion. Mais oui, mais ah non, fais pas ça. Tu joues où toi en fait? À gauche. Je suis la petite bulle verte là qui pique des trucs. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, hop, ouais, j'ai vu que t'allais me piquer mon grand. Allez, bouge. Dégage. Allez, dégage. Et on parlait de moi avec mon canoë kayak, ah bah dis donc. C'est vrai que c'est aussi... Ah, il m'a piqué, tu vois, regarde, il m'a piqué. Donc Duke Nukem 3D, ouais, bah écoute, bon choix, effectivement. Merci. Ah ben, je t'en prie. Bah écoutez, moi mon souvenir, il est plutôt récent, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore, mais ça m'a vraiment marqué, c'est Walking Dead. Alors le jeu épisodique de Telltale, pas le FPS qui sent la merde, la première saison de The Walking Dead, qui est vraiment comment dire, j'aime beaucoup les jeux d'aventure, j'aime beaucoup les point and click, et c'est vrai que Telltale avant j'avais testé d'autres trucs de Retour vers le futur ou quoi, c'était sympa mais pas top, mais là ils ont vraiment trouvé une formule dont ils abusent beaucoup trop, hein, maintenant ils en abusent surtout, mais vraiment le Walking Dead il est parfaitement équilibré, et puis alors la fin, je crois que c'est, je vais pas dire que c'est le premier ou le seul parce qu'il y en a peut-être eu d'autres, mais en tout cas ça m'a fait, alors pas chialer, mais j'ai eu une bonne grosse larme à l'œil sur la conclusion, quoi. La fin de la saison 1, tu parles? Ah ouais, je ne connais pas, hein, j'y ai pas joué. Bah il se passe un truc, le héros c'est alors déjà c'est un black, bravo, fallait le faire, c'est rare. Et une petite fille, encore plus. Et à la fin il se passe un truc où tu dois faire un choix. Et peu importe le choix que tu fais, c'est à te tirer des larmes. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un des rares jeux, si c'est pas le seul, qui m'a fait couler une larme, quoi. D'accord. Tout le long du jeu, déjà, c'est assez stressant parce qu'il y a des décisions à prendre qui te reviennent après, parce que si t'as été gentil avec un, tu vas avoir une récompense, mais du coup t'as été méchant avec un autre et du coup tu t'en prends plein la gueule. Donc déjà, il y a une sorte de tension, de culpabilité, etc. Où tu te dis merde, j'aurais peut-être pas dû et tout. Enfin, il y a déjà beaucoup de sentiments qui sont mélangés pendant la partie. Alors la fin, les 5 dernières minutes, c'est vraiment, si vous l'avez pas encore fait, faites-le, quoi. Il est sorti en version physique, en version compile avec la saison 2. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment mon souvenir, ça. D'ailleurs, vous l'avez fait ou pas? Absolument pas. Non. Oh, du tout. Oh les gars, quoi. Tu vois, on est carrément, on est à fond. non, mais c'est vrai que tu en avais déjà parlé, tu en avais déjà fait un article. C'est vrai que, voilà, j'ai pas forcément craqué dessus pour la simple et bonne raison que je joue pas forcément beaucoup sur la PS3. Mais vous êtes pas obligé de vous excuser, je vous dis juste, faites-le, hein, c'est vraiment. Alors autant quand il y a des jeux que j'aime pas, vous le savez, j'en parle tout le temps, mais quand il y a des jeux que j'aime, je les lâche pas non plus. Celui-là, vraiment, c'est à faire.
Autant le reste, je sais pas, sur Game of Thrones ou Borderlands ou quoi, je sais pas trop ce que ça vaut, mais celui-là vraiment, la saison 2, je sais pas non plus, mais la saison 1, elle est vraiment fabuleuse, quoi. Bon, enfin, après, c'était comme on aime la vie, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Non, mais en tout cas, je finirais bien par me le faire. Oui. Dans 10 ans, quand il sera rétro. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avant d'acheter la Play 5, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas... Ça va. Ouais, je te laisse retourner à ta bulle verte et à tes émotions. Ouais, en ce temps-là, on va parler. Ah ben non, je te laisse pas. Non. Je te retiens, Nico Chef, puisqu'on y est. Puisque là, maintenant, on va parler de jeux référence. Ouais. À savoir le jeu qui vraiment. Alors là, c'est un souvenir marquant que vous m'avez raconté. Là, je voudrais vraiment votre référence. Un truc culte où vous dites, même si aujourd'hui c'est peut-être dépassé ou autre, vraiment, c'est le modèle concernant le sujet, les émotions, tout ça. Alors Nico Chef, ce serait quoi, toi? Bah moi, je vais rester dans le semi-horreur avec Darkseid. Enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu, ou j'en ai parlé il y a pas longtemps, en fait. Ah, mais mec, c'est pas un joyeux, quoi. Les émotions, c'est Resident Evil et Darkseid, quoi. Bah en même temps, on verra ça avec la grosse question tout à l'heure, mais j'ai un avis très tranché sur la place de l'émotion, mais bon. Il annonce la couleur, vas-y. Donc, Darkseid. Je lâche tout. Donc Darkseid, alors pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, c'est l'histoire d'un mec en fait qui veut devenir écrivain. Donc pour écrire son bouquin, il achète un vieux manoir. Dans lequel il y a eu un meurtre. Non, même pas, non, il n'y a même pas eu de meurtre, mais en fait, une fois qu'il est arrivé dans ce manoir, il s'aperçoit qu'il fait des gros cauchemars, et ça a l'air tellement réel, jusqu'à ce qu'il finisse par découvrir qu'en fait, c'est pas un cauchemar. Qu'il y a des espèces d'aliens, de monstres, de créatures en fait qui l'ont kidnappé, qui ont mis quelque chose dans le crâne, et en fait il a 3 jours donc pour réussir à trouver le moyen d'enlever ça, de sauver le monde, enfin bref, tout un tas de choses. Je vais pas vous spoiler trop. Ah oui, mais c'est l'article que t'as fait il y a pas longtemps là. Voilà, tout à fait. Ce jeu là en fait c'est toujours un peu pareil. Si vous êtes pas fan de Giger, je sais que c'est le cas de Laurent. Déjà, c'est lui qui a, les graphismes ont été inspirés par son œuvre, parce que bon, en fait, c'est pas lui qui a fait les graphismes, mais les graphistes se sont beaucoup inspirés de lui, et en plus ont eu le droit d'utiliser certaines de ses œuvres dans le jeu. Mmh. Je tiens à préciser, parce que ça vaut le détour. Du coup, on a une ambiance vraiment à part, et en plus, Si vous pouvez aller sur Google voir les images, c'est quand même assez glauque, ouais. Ouais, c'est assez glauque, et c'est assez oppressant, en fait. En plus, le jeu est sorti en haute résolution. Sur Amiga, c'était déjà très rare, mais ça limitait la palette de couleurs. Ce qui, en fait, renforce encore plus ce côté vraiment bien glauque. Et, voilà, on parle d'émotion, donc du coup, on se retrouve vraiment dans un jeu où on se sent oppressé, on se sent vraiment dans le rôle du héros parce que ben vraiment voilà, on a 3 jours, il faut gérer le sommeil en même temps, il y a les cauchemars qui reviennent qui sont vraiment bizarres, les créatures sont elles aussi vraiment bizarres. Enfin, c'est très glauque, très oppressant, très flippant. Ouais, pour moi, c'est le très bien fait. Et très bien fait, ouais, tout à fait. Avec des graphismes digitalisés, donc par exemple pour le personnage, franchement non, je vous conseille de le faire. Et en plus l'histoire, bon, c'est dur, hein, mais c'est simple. Non, mais je suis pas un gros fan du gars. Enfin, je veux dire, je sais ce qu'il a fait, voilà. Mais le peu que je vois du jeu, ça, on sent le côté métallique, organique, un peu ce mélange. Oui. Ouais, c'est biomécanique, pour être exact. Biomécanique, oui. Complètement. Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est, il y a vraiment du alien et du non, c'est assez bluffant, ouais. Non, mais ça, j'ai du mal. J'ai toujours du mal à faire 2 choses en même temps. Oui, oui, on remarque, on dit rien pour l'instant parce que tu te vexes en plus, mais c'est. Non, mais bon, en tout cas. Disons que t'as bien parlé du jeu, donc forcément t'as mal joué. Donc c'est... Voilà, oui, non, mais c'est voilà, je peux pas tout faire. Que Freddy y arrive, j'aurais dû pousser à prendre c'est le jeu. Que Freddy fait du kayak en parlant de jeux vidéo. C'est assez balèze, c'est un peu fatigant, mais. Soit on est doué, soit on l'est pas. Oui, non, mais voilà, ça s'apprend pas, c'est inné, quoi. Non, c'est comme ça. Donc Darkseid. Darkseid. Ouais, okay. Ouais. Je pense que je vais me le faire un de ces quatre parce que depuis le temps que j'ai lu l'article et là tu me donnes envie, faut que je m'y mette. Freddy, ta référence. Ma référence à moi, ce sera Alice Madness Returns. On peut couper ça ou non c'est... Non, bah, on pourra pas, on va le laisser. Attends, il assume. Oh, ça va bien. Ah, moi, j'assume tout, hein, même le pire du pire. Oh, Alice Madness Returns. Bon, je référence. Si le choix. Ouais. Voilà. Voilà, débrouille-toi avec merci, ça. Merci, au revoir. Salut. Et pourquoi non, donc pourquoi Alice Madness Return? Donc le deuxième, hein. Oui, le deuxième, tout à fait. Parce que le premier, c'était Alice in... Je ne sais plus exactement ce que c'était le premier, mais c'était déjà le type à la base qui l'a fait. American Life Magni, qui est parti ensuite du studio Pacy Horse, qui a fait le jeu et puis qui a été édité ensuite par Electronic Arts. Il avait fait quoi lui avant, lui, déjà?
Eh ben, le premier Alice déjà. Alice. Non, il a fait autre chose. Alors je sais quoi. Je sais qu'il fait des trucs maintenant. Je sais qu'il est en Chine et il fait pas mal de trucs. Mais alors. Il a fait Scrapland, mais non, pour moi c'était Alice son premier jeu. Mais... Oui. Après je sais pas. Non, il a fait autre chose. Je suis sûr qu'il a fait autre chose. Il a fait autre chose avant. Oui, mais quoi? Non, je sais qu'une anecdote amusante, c'est que c'est pas un pseudo en fait, son prénom c'est vraiment American. Le pauvre. Oui, c'est ça, c'est ça. S'il avait pas bossé sur tu m'étonnes qu'il sort des jeux aussi. Ah, mais tu m'étonnes qu'il fasse des trucs bizarres. Alors, je vous le dis vite fait, il a fait partie de l'équipe de programmation des Sims, Doom Doom 2, Quake Quake 2, ouais, bah, que de la poésie, quoi. Je comprends qu'il ait choisi Lewis Carroll après. Voilà. On s'en fout. Ouais, non, mais écoute, il y a rien de particulier apparemment. Il a bossé Disney, Bon, c'est pas grave. Donc Alice, oui, bah elle va bien. Elle est revenue du pays de la folie, mais non, bah voilà, moi c'est un jeu qui m'a surpris en fait. C'est un jeu de 2011, mais j'y ai joué, je crois que ça doit être l'an dernier pour la première fois. Mmh. Et franchement, dans le genre exploration de l'émotion du cerveau, etc., les méandres du cerveau, parce qu'en fait c'est plutôt la pauvre Alice qui est devenue complètement folle, et puis elle se fait psychanalyser par un psy qui est pas très net non plus, mais du coup le monde d'Alice c'est vraiment les méandres très tordus de son cerveau à elle, qui sombre de plus en plus dans la folie, et je trouve ça très très bien fait jusqu'au pitch final, etc. C'est vrai que le parallèle est bon. Il y a un côté la mise en scène, le graphisme et tout, c'est tout concorde pour faire d'un jeu d'une excellence monumentale. C'est vrai que le jeu en plus est très bon, et c'est vrai qu'il y a un côté psychanalytique assez intéressant. Vous avez vu Sucker Punch? Oui, tout à fait. Ben, c'est un peu pareil, oui. C'est un peu dans le même genre. Alors, je sais que Nico a pas aimé du tout. Ah, c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que en me disant que c'était un film de garçon, mais... Non, c'est un film intellectuel avec des filles en jupette complètement schizophrènes. Non, c'est un film de combat, c'est un gros film de geek qui a été vendu comme un film psychologique alors que pas du tout. Hein, pas du tout. Exactement. C'est 300 avec des gonzesses. Hein, oui, voilà. Moi, c'est juste une femme qui se bat avec un sabre contre un géant sur du Björk. Voilà, moi, c'est voilà, tout ce que je voulais, quoi. C'est bien fait. C'est l'équivalent féminin de Scott Pilgrim, quoi. De Souda 51, voilà. Pour moi, c'est Souda 51 qui a fait un film, hein, rien de plus. Mais il y a un peu ça, quoi. C'est le côté tout ce qui est toute ma vie, mon subconscient, toute la psychanalyse, tout ça. Pouf, en grosse aventure, là, jeu vidéo ou inspiré jeu vidéo dans Sucker Punch. Mais c'est vrai que l'ambiance et les sentiments dans Alice, mine de rien, c'est un jeu de plateforme action ultra classique. C'est ça. Bien fait en plus, un bon jeu. Mais très bien fait. Un très bon design surtout. Et puis c'est à noter aussi que t'as une sacrée dégringolade, on va dire, dans les décors. Tu passes du monde féerique petit à petit pour sombrer dans un truc complètement glauque. Ah oui, c'est ça qui est une... C'est un peu comme dans le jeu Alan Wake où tu descends de plus en plus dans les tréfonds de l'esprit. Plus ton esprit part en couille, au plus le décor, il y a une sorte de déchéance, de laisser aller. De, ah, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Oui, j'avais pas pensé. C'est vrai que je me rappelais surtout du jeu de plateforme et action, mais pas tellement de... Bah, puis surtout, c'est que je trouve extrêmement déstabilisant du fait qu'il a des graphismes assez enfantins d'un certain côté. Oui, c'est le côté un peu Burton du... Voilà, au final, tu te retrouves avec des choses très glauques, comme les animations dessinées, mais avec beaucoup de traits noirs sur Twisted Metal 2, pour ceux qui s'en souviennent, qui était assez taré. C'est vrai. C'est que de scène. Il y a un peu de tout ça, ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais, bon choix, c'est vrai. En même temps, vous me décevez jamais, à chaque fois je dis bon choix, mais c'est vrai que c'est rare. Alors, que je dise... On reste dans l'horreur, quand même. Bah après j'aurais pu citer d'autres jeux un peu plus gentils et pas dans l'horreur, BioShock Infinite. Ouais. Le Legacy of Kain, Soul River, je sais pas. Ouais. Le jeu sur dont t'as parlé Laurent sur les camps de concentration, enfin tous les trucs bon enfant quoi, tous les voilà. Je tiens à préciser que je viens de gagner une partie, mais parce que j'avais sans faire exprès mis en mode de joueur, ce qui fait que l'autre ne s'est pas défendu. Je tiens à dire que d'habitude on fait plein de commentaires sur ce qui se passe à l'écran pour le jeu en fil rouge, mais vu que là on comprend rien, du coup personne dit rien en fait. À chaque fois. D'habitude on dit toujours oh joli coup de rame Freddy, oh machin et tout, c'est super. Et alors là vu qu'on comprend rien, si c'est que ça vous me dites, je mets un autre jeu, il y a pas de problème.
Ah non, mais non, justement, là, je me fais chier depuis tout à l'heure à me dire, qu'est-ce que c'est? Il me tarde que tu expliques un peu tout, parce que je la vois loucher, là, depuis tout à l'heure, cette pauvre fille, et... Oh, mais Nico Chef, mais quel beau nœud tu as fait! Magnifique! Ah, mais Nico Chef, question nœud, c'est... Le chef, voilà. Il a une tête, quoi. Ah, il a une... C'est voilà, c'est vraiment une tête à nœud, j'ai envie de dire. C'est le siège. C'est... Pardon, désolé, non, mais... Quelle horreur. Bon, allez, on arrête les conneries. À Laurent de nous donner sa référence. Alors moi, c'est pas du tout dans le thème de l'horreur, mais un jeu qui m'avait profondément ému, parce que c'est un univers, c'est la première fois qu'on voit un univers aussi original et aussi Alexandra vivant. Alexandra Lederman, mon petit poney. C'était Outcast, donc 99. Voilà, donc, alors équipe qui a bon, forcément un jeu qui partait pour moi avec un a priori positif, puisque c'est l'équipe, ancienne équipe de Art and Magic qui avait fait Agony sur Amiga, Unreal aussi. D'accord. Pas le shooter, pas le FPS, hein, Unreal sur Amiga. Donc, et l'univers était d'une, je crois, d'une beauté, d'une cohérence, l'intelligence des personnages. On était dans un truc, moi à l'époque j'avais jamais vu ça. Alors je suis pas non plus un joueur invétéré, donc je joue rarement, mais quand je joue, voilà, ça compte pour moi. C'est un peu comme à l'époque de Half-Life quand il est sorti où les FPS étaient bourrins et puis là d'un coup il y avait un scénario, ça a tout changé quoi. Là c'est un peu pareil. En tout cas c'était pas que un flingue avait tenu par une main quoi. Non non, il y avait une poésie qui se dégageait. C'était quelque chose. Pour moi c'est une référence encore aujourd'hui. Ben c'est un peu comme ça se rapproche de Duke Nukem, ce que tu dis en fait c'est plus une ambiance qu'un scénario ou que des personnages, j'ai l'impression. Oui, complètement. Et moi, je suis très attaché à ce genre de jeu. Parce que justement, je joue relativement peu, donc j'ai besoin d'entrer dans quelque chose qui me change vraiment les idées. D'accord. Il faut que ce soit immersif. Ouais. Mais du coup, l'immersion avec l'ambiance peut procurer des émotions aussi. Tout à fait, complètement. Et c'est exactement ça. On va en faire une grosse question de ça. Ah non, mais on va le faire, pardon. C'est ça. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'émotion, on pense toujours soit à la peur, soit à la tristesse. Généralement, c'est les deux qui vont bien. Et généralement, on parle du scénario, des persos, tout ça. Mais c'est vrai que l'univers et la cohérence, c'est quand même assez important. On n'y pense pas assez souvent, mais surtout que bon, là, je sais que par exemple, Nico est un fan de Dune, mais moi, je suis un grand fan de l'univers de Dune, et justement, il a été bien transcrit. Donc, on retranscrit quelque chose qu'on s'était déjà imaginé. Là, Outcast ou Duke Nukem, la surprise, un peu aussi. Voilà, c'était la surprise. Alors, Outcast plus poétique, Duke Nukem, bon, on retrouvait. Un peu moins. On retrouvait dans les années 80 ce côté-là, mais il n'y avait pas le côté drôle. Là, les mecs avaient beaucoup de recul, et ça assumait sa beaufitude complète. Ouais. Alors, mais en même temps, il y avait un second degré qui était extraordinaire. Donc, Alors que Outcast, c'était plus le côté poétique, un peu onirique, un petit peu. Voilà, on était. En plus, les six mondes étaient tous radicalement différents. Donc il y avait eu une cohérence dans les six mondes. Enfin, c'était vraiment très très bien fait. Et je me referai une petite partie de ces quatre. Tiens. La prochaine fois, tu sais. Aussi, oui, pourquoi pas. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est qu'ils ont sorti une version 1.1 ou je sais pas quoi, refaite un petit peu, donc ils ont recompilé les codes sources et voilà, parce que Outcast c'est un jeu, ils ont mis 4 ans pour le sortir et c'était au moment où les cartes graphiques arrivaient, donc technologiquement, il était à cheval sur deux époques et ils l'ont recompilé avec les technologies modernes, mais ça mériterait Il est un peu tombé à la mauvaise période technologiquement parlant. Ouais. Bah oui, c'est le problème de ces jeux qui se développent sur très 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 longtemps, c'est que le temps qu'ils sortent, la technologie a changé et du coup, ils sont plus adaptés. Voilà. Tu prends The Last Guardian par exemple. Tu prends Daikatana par exemple. Non, The Last Guardian non, parce qu'il est pas sorti et je sais pas s'il sortira. Ah bon, il est pas sorti. Oh zut alors. Enfin si, d'après Amazon, il est sorti en décembre 2014, hein, mais bon. Mon dieu, l'Arlésienne. Ah bah écoutez, on n'est pas encore au niveau du New Game, mais bon, c'est vrai que... Il est sorti, lui, hein. Oui, hélas, oui. Ils ont réussi à le sortir. Non mais déjà, c'est bien. Oui, c'est au bout de 10 ans, c'est ou plus même, c'est déjà ans, pas mal. Ouais. C'est... Alors après, il est pas si mauvais que ça, hein, du coup, quand même... Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est que quand tu mets trop d'espoir sur les épaules d'un jeu ou d'un studio ou autre, tu peux pas, quoi, c'est normal. Tu peux pas, et ce qui s'est passé, c'est que là aussi... Moi, c'est l'exemple. J'avais un peu plus de 20 ans quand il est sorti. Quand c'est sorti Duke Nukem, j'ai passé des heures, je me suis éclaté. Donc, 10 ans plus tard. C'est plus forcément. Voilà, j'ai pas les mêmes envies, ni le même temps à consacrer. Donc, et les nouveaux joueurs qui ont pas connu le premier, du coup, ils disent c'est quoi cette merde?
voilà, c'est quoi ce truc, ils avaient pas, je veux dire, quand j'ai vu les premières pubs pour Duke Nukem Forever, quand j'ai reconnu les premières notes de guitare électrique, je suis dit, ah, super et tout. Et je sais que ma femme qui connaît pas jouer du tout m'a regardé en disant, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce mec qui joue avec son caca? Non mais je t'expliquerai, c'est super, toi. C'est très drôle. C'est ma référence en émotion. Ouais, d'accord. Bien. Bon, donc, très différent. Grand écart, là, Duke Nukem Outcast, bien joué, hein, pas mal. Écoutez, puisque vous le réclamez à corps et à cri, je vais vous parler de ma référence. Je vois que vous êtes impatient. Ça fait toujours plaisir. Moi, pour rejoindre tout à l'heure ce que disait Freddy, moi, ce sera Shadow of the Colossus, la suite spirituelle de Ico. Et ouais, c'est vrai. C'est un jeu qui m'a vraiment cueilli quand je m'y attendais pas. Ah, c'est clair. Un peu comme beaucoup de jeux sur lesquels on entend parler puis on laisse un peu passer puis je me suis dit tiens je vais tester, les gens en parlent, ce qui paraissait bien, j'y suis allé vraiment sans a priori ni attente et putain quoi, c'est incroyable quoi, déjà au niveau jeu le mec est absolument génial hein, c'est d'avoir fait qu'il n'y a pas de niveau, c'est des boss qui sont à la fois les boss et les niveaux, le fait d'en avoir fait des monstres mais pour lesquels on a des pourquoi je parle de jolis trucs, et l'autre, elle me tire la langue, elle louche, elle fait des menaces. Pardon. Donc du coup, le fait que les boss après, tu dois les tuer, mais tu sais pas trop pourquoi, donc en même temps que tu t'y attaches, tu partages leurs souffrances, c'est, l'ambiance est terrible, le scénario est mine de rien bien, parce que le dénouement, on s'y attend pas forcément, ou même si on s'y attend, ça fait quand même bizarre. L'ambiance évoluer dans des grands décors vides comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a une sorte de poésie, un truc vraiment bucolique qui se dégage de tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment tout est parfaitement équilibré. C'est vraiment le modèle pour moi. Voilà. Même s'il y a du die and retry, c'est pas grave, ça passe vraiment. C'est. Alors soit dit en passant, es-tu déjà arrivé à atteindre le jardin secret? Dans Shadow of the Colossus. Non, j'ai joué pour le jeu. J'ai pas voulu le gaspiller pour le score, la performance. Non, en refaisant, non, parce que je l'ai refait 4 ou 5 fois, je crois, et j'ai jamais réussi à atteindre le jardin secret. Ouais, mais il faut avoir tous les items cachés, il faut faire des boss rush, des machins. Voilà, c'est ça. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est dommage. Franchement, c'est très bien. T'as une rejouabilité qui est pas mal, franchement. Quand ouais, mais alors, tu vois, on va en parler juste après dans la grosse question. Enfin, je vais en parler en tout cas sur le fait que le jeu vidéo est un bon vecteur d'émotion. Merci pour la transition. Tu vois, j'ai fait Shadow of the Colossus pour faire le jeu. Oui, moi aussi. Pour le scénario, pour l'émotion, et du coup, j'ai beaucoup, et j'aurai encore beaucoup de mal à le faire pour le scoring. Tu vois, pour moi, c'est pas compatible. Pour moi, c'est pas du scoring au sens propre. Oui, scoring au sens large du terme pour la performance, pour le fait, rien que le fait qu'à la fin, il m'ait dit, vous avez débloqué le boss. Le boss rush mode ou je sais pas quoi, je me suis dit c'est comme à Alice explorer les niveaux pour découvrir tous les items cachés. Oui. Ça peut passer mais du coup tu perds l'histoire quoi. Donc après c'est comme ceux qui font du speedrun ou autre, pourquoi pas, tu peux faire Myst en une minute et quelques, mais tu perds toute la poésie qui est à côté, tu vois. C'est voilà, chacun voit un peu ce qu'il veut entre la performance ou l'émotion. Je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment, ça m'a tellement frappé, c'est tellement une référence pour moi que je pourrais pas le faire en hardcore gamer, super player, scorer. Bah écoute, moi je te dis, je l'ai fait 4-5 fois le jeu et le 4e, 5e fois, c'était uniquement justement pour essayer de débloquer un maximum de choses. Ouais. Après, je comprends ceux qui le font, y a pas de souci. Ouais, mais voilà. Mais moi, tu vois, ça m'enlève pas l'idée que j'ai, le souvenir que j'en ai du jeu et ni l'envie de le refaire juste pour le scénario sans chercher forcément à faire du scoring. Ça, si j'y retourne, et j'y retourne entre guillemets régulièrement, et ça m'empêche pas d'y jouer comme ça, de cette façon-là. Hein. Ah ouais, je sais pas. Tu vois, moi, le boss, chaque boss, je les ai tués une fois. Et je sais que si je les tue 3-4 fois, au bout d'un moment, le côté triste, je vais me dire, bon, ça va aller, finis vite de mourir, que je passe au prochain, tu vois. Eh oui, mais comment y as-tu joué? En mode normal ou en mode difficile? Parce que après, les emplacements changent pour tuer les boss. Et c'est une toute autre histoire. Oui. Mais c'est ce que je te dis, c'est pareil, j'ai pas envie de modifier mes émotions en scoreur. Après, Non, là je te parle pas de score, je te parle de refaire le jeu, mais en fait du coup tu te fais surprendre parce que les monstres tu dois les abattre mais d'une manière totalement différente et c'est beaucoup plus dur. D'accord.
Mais c'est du coup non, mais je souffre à la manette quoi. Mais je compte le refaire dans pas longtemps, mais voilà, j'attendais juste que ça se décante un peu et que je l'oublie pour me le refaire et me le reprendre de plein fouet, tu vois. Et en plus, moi j'ai eu l'honneur de voir Freddy jouer à Shadow of the Colossus. Ah bon? Waouh. Bah ouais en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais la démo tout oui, à fait vrai. Ouais. C'est avec toi que j'ai découvert celui-là. C'était la démo à l'époque, ouais. Ouais. Voilà. Vrai. Excusez-moi. Non mais pas de soucis. Je repars à faire un concours de grimaces donc. Oui, ouais, ce que j'allais dire, continue à lui faire tirer la langue. À qui, au jeu ou à moi? Faites ce que vous voulez. J'ai des lâches. Allez, on continue avec la grosse question, puisque justement on en parlait juste avant, à savoir que est-ce que le jeu vidéo est un bon vecteur d'émotions? Parce non. Que des émotions, il y en a, ça c'est sûr, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y en a plein. Mais est-ce que c'est un bon vecteur? Alors, par exemple, par rapport aux autres médias ou en lui-même, est-ce que quelqu'un va réagir à ça? Moi, je dis non. Tu lui as parlé pendant 2 heures, dites-moi. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Je trouve pas que ce soit un bon vecteur. C'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même de la qualité cinéma et on pourrait prétendre à ça, mais très franchement, c'est pour ça aussi, moi, j'ai eu un petit peu de mal à choisir mes jeux, les jeux pour le thème, pour le podcast de ce soir, parce que, mis à part, effectivement, des moments où je flippe un peu, des jeux éventuellement un peu rigolos, de là à dire que c'est un vecteur d'émotion, je sais pas, il y a un jeu qui vous a déjà fait pleurer, vous? Oui. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bah, moi, non, désolé, non. Ouais, mais toi, t'es insensible. Ouais, est-ce que des films t'ont fait pleurer, Nico? Oh oui. Je dirais pas lesquels. merde. Je ne dirais pas lesquels. Alors, j'ai peur de rien. Il y en a un qui m'a fait pleurer, hein, tant qu'à parler de ça. Terminator 2. Quand il se prend la balle comme ça et non. Non, j'ai fait 10 ans, fin. Je l'ai vu au cinéma et il descend dans la lave avec le poing en l'air et ben moi j'ai versé ma larme. Ouais, moi c'est le film qui m'a fait pleurer au même moment que le livre, hein, c'est La Ligne Verte. Oh. Alors quand j'ai lu le livre, j'ai chialé comme une madeleine. Et alors pareil pour le film, parce que les acteurs sont bons. C'est quand il va se faire exécuter et qu'il demande où est passé Mr. Jingles, la petite souris, qui lui dit elle est partie à Souriville et tout ça. Là. Mm-hmm. Moi je peux pas. Oui, pareil, c'est vrai. Moi c'était la liste de Schindler. Hein, mignon. Ah oui, la liste de Schindler à la fin avec son badge. Et dans le jeu vidéo, vous avez jamais connu ça? Qui a déjà chialé devant un jeu vidéo? Oui. Pas moi. Clairement, pas moi. Oh, les deux frères cœur de pierre, quoi. Ah, mais carrément, quoi. Mais peut-être que vous avez pas joué au bon jeu aussi. Par exemple, quand je vois Extase, là, j'ai envie de chialer aussi. Pas pour les bonnes raisons, mais, Non, mais blague à part, vous avez peut-être pas fait les bons jeux aussi, quoi. Peut-être que si on vous met devant Walking Dead, bon, maintenant que vous savez qu'à la fin, il y a un truc, peut-être pas. Mais, Je pense pas. Je sais, enfin, c'est la façon de jouer, je suis tellement concentré que de toute façon, pas aller jusqu'à pleurer, mais en tout cas, avoir une émotion, je veux dire, avoir quelque chose où tu dis, un petit pincement au cœur. Moi, je l'ai dit dans mon dernier article, enfin, je crois que c'est mon dernier. Vous avez fait Portal? Oui. Un peu. Tout. Un peu. Laurent en large. Non. Ah. Non. Putain, moi, quand on doit abandonner son cube, mais c'était une horreur, quoi. Mais ton cube de compagnie, c'est quelque chose, quoi. Mais moi, ça fait des mois que j'hésite à acheter une peluche du cube, quoi, tellement il m'a marqué, ce truc, hein. Des lampes cubes qui existent aussi. Oh putain, génial. Non, mais voilà, vu de l'extérieur, ça a l'air débile, parce que c'est juste un cube pour une salle de test, dans une usine scientifique, dans une entreprise de scientifiques fous. Mais putain, c'est un peu comme, Seul au monde, le film avec Tom Hanks, là. Ouais. Mmh. Où il parle à son ballon à Wilson. Wilson, ouais. C'est ça. À la fin, il le perd. Voilà. Eh ben moi, je me moquais de Tom Hanks dans le film. Et quand j'ai joué à Portal, ouais, parce qu'il a l'air con quand même. Wilson, il a l'air super con. Tu me refais penser au sketch des Inconnus. Ouais, l'autre, il pleure parce qu'il a perdu son ballon. Ouais, mon ballon. Ah ben, oh putain, mon ballon. C'est au drapeau de Paris. C'est au drapeau. Bon. Mais ouais, pardon aussi. Mais putain, quand j'ai perdu mon cube de voyage. C'était pas un deuil dans la famille, mais c'était pas loin, quoi. Franchement, j'avais perdu un pote, quoi. C'est au niveau du jeu, je me suis dit merde, putain, je suis dégoûté. J'ai presque hésité à finir le jeu, quoi. Ceci dit, moi j'ai pas pleuré, mais la séquence de fin du premier épisode de StarCraft 2. Ah bon? La séquence de fin du, je me rappelle plus. Excuse-moi. Ah, la séquence de fin, tu penses qu'il l'a tué et il la retrouve humaine. C'était super bien foutu. Non. Mais c'est des séquences cinématiques. Donc on est proche du cinéma dans ces cas-là et de l'histoire. Donc pour moi, oui, bien sûr.
ça diffuse des émotions. Si on peut pleurer ou être très touché par un livre ou par un film, aujourd'hui les jeux s'en rapprochent énormément. Si je peux me permettre juste une correction à ce que j'ai dit, je le dis dans le par rapport à la narration et au contenu. Maintenant, par rapport aux émotions que tu ressens en jouant, je dirais pas la même chose. Alors, on va distinguer déjà deux trucs assez clairs. Il y a les émotions quand vous jouez, par exemple, qui sont donc Julien fait un papier là-dessus qui est très intéressant. Ouais, tout à fait, ouais. Les émotions gameplay où par exemple vous pouvez avoir la pression parce qu'il y a une course, vous allez finir premier, ou alors il y a une manip à faire, etc. Et puis voilà, je sais pas, extase, t'es à deux doigts de faire passer la dernière émotion et puis c'est l'ordi qui va te passer devant. Enfin voilà, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de la fierté, de la joie. Ça c'est des émotions aussi. Donc bien sûr à ce niveau-là, le jeu vidéo est un très bon vecteur d'émotions. Hein. Enfin, je pense en émotion primaire, on va dire. Alors qu'en émotion plus sophistiquée, comme la peur, comme le, quoi que la peur, ça peut être assez basique. Hein, mais je parle de la peur viscérale, genre Silent Hill. Vous voyez, un truc vraiment qui vous fait flipper, pas un truc que vous dites, oh non, je vais perdre, pas ma dernière pièce, quoi. Mais en émotion un peu plus sophistiquée, genre le rire, la peur, la tristesse et tout, c'est voilà, il y a quand même deux types d'émotions, je trouve, assez distincts, quoi. Donc, ouais. Je sais pas de quoi tu veux parler, Nico Chef, mais non, c'est... moi je parle. Moi je suis bien aussi pareil. Je fais le distinguo entre le contenu du jeu, ce que tu vois à l'écran, et c'est ça qui te fait réagir d'un point de vue émotionnel, et ce que tu tires du plaisir de jouer, par exemple. D'accord. Voilà. Je m'étais pas expliqué clairement, mais je pense que c'est important de faire le distinguo. Je suis pas d'accord. C'est vrai que par rapport à ce que disait Laurent, excuse-moi, mais c'est vrai qu'il y a des cinématiques où, par exemple, Gears of War 2, je crois, je sais pas si vous l'avez fait. Non. Bon. Y a-t-il un jeu que Shetzer a fait, on l'a fait? Non. J'ai l'impression un petit peu. Pourtant, Gears of War, je tape l'argent quand même. je vous la prends pas, c'est un bon gros jeu de gros bourrin quand même, hein. Scénario principal, vous êtes les gentils, vous devez tuer les méchants extraterrestres. Ouais. C'est un intraterrestre, parce qu'ils viennent de, bref, passons. Oui. Et à un moment donné, il y a un mec, qui est dans ton équipe, il retrouve sa femme morte dans le jeu. Je passe sur les détails. Hein. C'est juste une cinématique. Le mec, tu le joues même pas, tu le connais à peine. Et pourtant, quand tu vois la cinématique, elle est tellement bien faite que tu te dis, oh putain, quand même, tu pleures pas, mais t'as quand même ton pincement au cœur. Et tu te dis, ah, putain, le pauvre, quoi. Enfin, il y a vraiment une émotion qui naît, une émotion de tristesse. Là, effectivement, c'est lié à la cinématique. Après, il y a vraiment, faites des jeux tels, notamment Walking Dead, où il y a des choix à faire. Et je vous assure que moi, le cube de voyage ou Walking Dead, j'ai ressenti de la culpabilité. Ah ouais. Ouais. Alors que d'habitude, je vole les vieilles dames, je tape les enfants dans la vraie vie, tout ça, je m'en fous. Mais mais là, je me suis dit, putain, je peux pas faire ça, c'est pas bien, quoi. Et ben, écoute, tu as exactement la même chose dans The Witcher 3. Ah. T'as des choix cornéliens qui, c'est vraiment des trucs. Alors que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins de ces trucs dans le rétro, par exemple. Oui, parce qu'on pouvait pas. Ouais. Voilà. La narration était pas la même. Exactement. On pouvait pas se permettre, ou alors on retrouvait des émotions, par exemple, des histoires très riches, c'était dans des jeux très textuels. Oui, uniquement textuels, même. Ouais. Voilà, extrêmement bien décrit, écrit et décrit, ouais, effectivement. C'est... Voilà, Zork, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ou l'un des premiers jeux d'aventure sur 16 bits qui s'appelait The Pawn. C'est des histoires très poétiques, très jolies, un univers très riche. Mais bon, c'était textuel, quoi. Donc c'était du jeu de rôle, quoi. Un jeu de rôle papier, je veux dire. C'était un jeu de rôle papier, mais complètement. Le support informatique ne servait pas à grand chose. Quelques images par-ci par-là, et on retrouvait la même chose que sur les livres. Ceci dit, le jeu vidéo a une capacité d'immersion. Comme tu agis, comme t'es t'es dans l'interaction. On peut se permettre de t'emmener vers des endroits qu'un film ne peut pas. Je veux dire, le film, il a une heure et demie, il y a une histoire qu'il faut suivre. Ils peuvent se permettre. Justement, moi, j'aime bien Duke Nukem parce que tu peux le voir comme un jeu bourrin, mais il y a plein de petites allusions de deuxième degré, des toutes petites choses. Je trouve ça un peu magique. Moi, je sais que ça m'avait fait rigoler parce que dans un des moments Duke Nukem, il arrive dans une salle où il n'y a pas grand chose, mais t'as un verre de martini, un canapé avec une peau de léopard. Ouais. Et sur la télé, t'as une nana qui fait un striptease. Ouais. Et en fait, tu passes vite fait, tu dis putain, voilà, en fait, et c'est le top pour le duc, pour ce gros bof. Voilà, un verre de martini, une femme à poil et du léopard, c'est le top. Et voilà, ça me faisait beaucoup rire. Non, mais je vois ce que tu dis. Ouais.
Bah parce qu'il y a une question d'identification aussi, du coup, tu peux... Mais voilà. C'est vrai que le jeu vidéo a deux trucs qu'a pas les autres, c'est le côté responsabilité, où c'est toi qui es acteur, donc tu prends des décisions, j'en reviens à la culpabilité, les trucs comme ça, et le côté identification qui peut être plus poussé, parce qu'effectivement, tu vis le personnage, donc du coup, t'es peut-être plus touché, ouais, c'est vrai. Voilà, et sur cet aspect empathie, justement, je vous ai parlé dans mon article du jeu The Dragon Cancer. C'est quand même un sujet particulièrement aride. Mmh. Il faut quand même oser l'avoir fait. Et je suis pas sûr qu'un livre, justement, comme c'est interactif, on comprend les choses, les graphismes, il y a de l'espoir qui apparaît, les graphismes sont un peu enfantins. Et je pense qu'un livre ou un film pourrait pas faire passer ça. Donc donc pour toi c'est un bon vecteur au même niveau que le cinéma ou le livre ou une œuvre d'art ou enfin une même peinture meilleur. Une même ça peut être meilleur. Alors attention hein, tous le font pas mais ça peut être meilleur. Ça peut être meilleur parce que justement il y a une richesse de l'univers, il y a une question de temps aussi. Un livre est forcé, enfin, je veux dire un film qui dure la durée de vie d'un jeu vidéo on se fera chier quand même. Il y a Candy Warhol qui a fait ça, hein. Et c'était non mais c'est vrai, c'est des expériences. Après un livre, il y a le côté, alors, le livre a l'avantage du côté imagination. On s'imagine des choses, on peut arrêter, reprendre. Là, par rapport surtout, je pensais à la musique, ou à des œuvres d'art plus traditionnelles, voilà, un tableau qui te touche beaucoup, tu te mets devant, tu vas y rester un quart d'heure, si t'y restes une heure, déjà, on va te dire que t'es un grand malade. Oui, c'est voilà, vrai. Tu passes beaucoup de temps. Moi, je sais que je suis un fan absolu de StarCraft 2 et le nombre d'heures que j'y ai passé, je peux y reprendre et j'y passe des heures et avec un plaisir non dissimulé. Et même si je redécouvre, je connais les cinématiques, je les passe, mais ça me voilà, il y a des coups de stress, des coups. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est plus des émotions primaires sur le gameplay, le côté jeu en jeu pour le jeu, quoi. Tu pourras avoir les mêmes sensations sur un jeu, un jeu de société, un jeu de plateau, voilà. Tout à fait. Mais avec les cinématiques qui vous racontent une histoire, t'es sensible à ces histoires-là et je veux dire le cliffhanger de la fin du deuxième épisode, t'attends le troisième avec impatience, quoi. Ouais. Cliffhanger, le final de l'épisode 2. Ouais, t'attends forcément le 3. T'attends le 3, quoi. Voilà. Ouais. Comme c'est Blizzard, tu tapes la tête contre les murs parce que tu sais que tu vas l'attendre très, à peu près 10 ans, très, ouais. Très, très longtemps. Et voilà, on peut se permettre de faire des choses. Alors c'est marrant ça. Parce que j'ai l'impression que pour vous parlez, enfin surtout les Laurent et Nico, j'ai l'impression que vous parlez de ça, mais parce que vous avez peut-être pas joué au bon jeu, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez testé, alors Freddy aussi peut-être, est-ce que vous avez testé Journée? Absolument pas. Journée. Mais si tu veux des émotions, je pense qu'il faut tester aussi The Vanishing of Ethan Carter. Il faut que je vais me le faire celui-là, dans pas longtemps je vais me le faire. Mais à titre indicatif, Journée c'est ceux qui ont fait Flower et je crois que c'est. Donc c'est t'as un peu une idée de ce que c'est, et c'est vrai que ça c'est vraiment un truc. Enfin, je sais pas, tu peux pas dialoguer dans le jeu, à part en faisant des signes et des sons, enfin un signe et un son, et t'arrives à te faire comprendre d'un gars. Enfin, je sais pas, t'as l'impression d'avoir découvert c'est Champollion, quoi. T'as découvert les hiéroglyphes, tu les as traduits avec une pierre. T'as l'impression d'être un génie alors que t'as juste appuyé sur un bouton. Enfin, il y a vraiment c'est assez contemplatif en plus. Il y a le désert, il y a des super décors. Enfin, pour moi, c'est pas supérieur à un bouquin ou à un film ou à une peinture, mais c'est au moins du même niveau, quoi. Et ça développe le même genre d'émotion au même niveau, je trouve personnellement. Et c'est autre chose parce que ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. C'est au même niveau mais traité différemment, je veux dire. C'est aussi intense et autant de bonne qualité mais traité différemment. Oui, voilà, pour moi c'est une autre forme. Dans le film t'es assez passif, dans un livre t'as plus le côté imagination. Là, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment. Ce que j'essayais d'expliquer aussi. Enfin, pour moi c'est des choses, ça date d'il y a une dizaine d'années, voilà. Ah oui, c'est sûr qu'avant, avec des graphismes 8 bits, 16 bits ou autre, moi qui suis un grand fan de FF6, la seule scène où il y a vraiment quelque chose, c'est la scène de l'opéra, pour ceux qui connaissent. Mais alors, si tu la regardes, tu meurs de rire, quoi. Je veux dire, si t'es pas à fond dans le jeu, tu vois cette scène, quand il chante, ça fait blablabla, enfin, il y a aucune émotion, quoi, je veux dire. Il y a rien qui transparaît.
Mais pourtant, ils essayent, tu vois. Maintenant, c'est qu'avec la 3D, les cinématiques, les machins. Enfin. Et d'autant plus que le jeu vidéo s'étant démocratisé, il y a eu. Tu parlais de ces jeux-là comme Flower, Flow. C'est des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Il n'y avait pas forcément ça il y a une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, il y a un public pour ces choses, pour ce genre de jeu. Des gens qui sont prêts à payer pour sortir un peu, parce qu'il y a des gens qui sont plus vieux. Enfin, je veux dire, nous, on n'est pas les personnes qui participent au site, on n'est pas nés de la dernière pluie, on a plus de 6 semaines, mais on peut se permettre de se dire, tiens, je vais essayer ça. Et comme il y a quand même toujours eu des indés au fil des années. Après, c'est vrai que ça s'est démocratisé énormément avec le Xbox Live Arcade et compagnie. Enfin voilà. Voilà, il y a eu des indés, mais qui n'avaient pas forcément une qualité. Voilà, je pense dans les jeux psyché qui donnent des émotions bizarres, il y a une espèce de fou qui s'appelle Jeff Minter, qui a parlé. Ouais, mais lui, c'est un déglingo. Ouais. Il y a une époque, excuse-moi, je te coupe, mais tu parles des indés, à une époque, tout le monde était indé, plus ou moins, et les vrais indés, ils faisaient, eux, des chefs-d'œuvre qui, genre Another World, de Eric Chahi, donc, ou Prince of Persia, de je sais plus comment il s'appelle. Jean-Robert Schlechner. Ouais. Excusez-moi, j'avais oublié que c'était votre oncle, m'engueulez pas. mais voilà, que moi je trouve que ces gars-là avaient quand même une certaine poésie dans ce qu'ils faisaient, et du coup, quand c'est la vision d'un seul homme, ça apporte quelque chose, quoi. Ouais, mais c'était très rare, parce que ça demandait un travail de titan. Ça demandait un travail de titan, et puis des qualités, enfin, à l'époque, la programmation était très technique, donc il fallait être très doué en assembleur, et en même temps, il fallait être graphiste. Ouais, il fallait tout faire, oui. Il faisait même les boîtes en carton et tout ça, ouais. Il faisait tout, les gars. Ouais, non, mais Eric Chahi, ce qu'il a fait sur Another World, c'est un truc de grand malade. C'est un truc de grand malade qui lui a pris, je sais plus, c'est 2 ou 3 ans, je crois, le développement. Et c'est un truc de, quand on y réfléchit, aujourd'hui, on se dit, mais ce mec, il était fou. Et il a réussi, en plus, toutes les contraintes de son outil, sa génération, le fait que ce soit des aplats ou des choses comme ça, il a réussi à en faire une force. Ouais, non, il est balèze, mais tu vois, ça se retrouve un petit peu aujourd'hui, je trouve, avec des gars comme Souda51 qui ont une vision de leur métier et de ce qu'ils veulent en faire et qui réussissent à transcender toute une ambiance. Enfin, il y a que dans des jeux de Souda51 où tu peux être dans la peau d'un tueur à gages qui va tuer un yakuza dans un jardin zen japonais au clair de lune, tu vois, c'est des émotions, enfin c'est des petits ambiances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, quoi. C'est des trucs que tu peux retrouver, que c'est un peu la vision d'un homme, la vision d'un artiste, quoi. T'as la vision d'un artiste, mais aussi t'as le fait qu'aujourd'hui c'est plus facile de trouver des graphistes, des musiciens. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, même, et puis avec des choses comme des projets comme Kickstarter, tu peux trouver des projets. Voilà, tu trouves assez rapidement. Moi qui suis un peu les projets éducatifs. Hein. Je vois les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, quand ils ont des gros projets à faire, ils n'ont pas trop de difficultés pour trouver, s'ils décident de faire un jeu vidéo ou quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, comme des serious games ou des choses comme ça, bah, ils trouvent facilement des graphistes, on trouve des musiques en libre accès, ce qui, à 10 ou 15 ans... Était impossible ou très difficile. Ou difficile. Aujourd'hui, même si bon, t'as une bonne idée... un moteur 3D, tu le trouves. Si t'es bon développeur et bon, voilà, tu trouves assez facilement des graphismes, des choses. T'as un résultat qui est sympa. Et alors après, évidemment, la touche de l'artiste. Tu parlais off-flow. Il y a des images qui sont d'une beauté. Mais c'est clair que c'est pas 2-3 trucs l'année sur le web qu'on a mélangé. Hein. Là, c'est mais sûr non, que, c'est. Il y a un travail, et une vision, mais c'est voilà, c'est puis, le fait. Ça a été accepté en fait, aussi. Je sais pas si. C'est un art aujourd'hui. Ah, il l'a dit. Oh le con. Non, j'assume. C'est considéré comme un art. Donc du coup, il y a des gens. Non, mais c'est. Non, mais non, faut arrêter. C'est faux. Ah, il m'énerve. Je vais repartir là-dessus. Mais il y a des artistes, oui, mais c'est pas un art. Non, c'est faut arrêter. Pour le cinéma, c'est pareil. T'as des tâcherons et puis. Oui, mais voilà, c'est ce que je te. Ouais, mais voilà, le problème, c'est que les gens pensent que parce qu'ils font un film, ce sont des artistes. Non, c'est parce qu'ils font de l'art qu'ils deviennent éventuellement un artiste, mais c'est l'art que tu fais, que tu produis, qui te donne le droit de te faire appeler artiste quand bien c'est sûr, de l'art. Mais moi, bref. C'est une forme d'art. Je pense du sang. Ah, il m'énerve. Bon, on va pas revenir là-dessus. Alors déjà, parce que on fait que parler tous les deux depuis tout à l'heure, on n'entend pas les deux autres. Ouais, non, mais je pense que FF7 c'est de l'art, quoi.
Bah écoutez, depuis tard, je me retiens de rire parce qu'en plus, pendant que nous on enregistre le podcast comme des cons, vous le voyez pas, chers auditeurs ou chers auditeurs si tu es tout seul. Mais on se marque des conneries depuis tout à l'heure. Vous entendez le petit poup de Skype. Donc déjà, j'ai beaucoup de mal à me retenir. Mais quand en plus là, il commence à me mettre sous pression, j'ai encore plus de mal. Donc Freddy, Nico, hormis les conneries que vous pouvez raconter, de l'art. Pour vous, vecteur d'émotion ou pas? Enfin, bon vecteur ou pas? Pour Nico, non apparemment. Clairement. Oh, je te ferai jouer à des vrais jeux si tu veux. On en reparle la semaine prochaine si tu veux. Non mais je veux dire des jeux d'après 1992. Tu vas voir, il y a vraiment des trucs intéressants. Ouais, je vais finir par être grossier moi aussi. Hein. Il y a FF7 par exemple. Déjà les jeux de 92 pour lui c'est déjà du. C'est le futur. Tu vois Laurent, c'est bien. Je m'attendais à ce que tu me soutiennes un minimum, que tu ne soutiennes pas. Jamais. Voilà. Les Thénardier. Ah, c'est jamais. Non mais ça va bien les mecs. T'as Et Freddy alors bon mais vecteur écoutez, ou pas? Moi je vais être plus consensuel sur. C'est ça Freddy ou? Est-ce que Freddy est un bon vecteur d'émotion? Alors moi je suis un très bon vecteur d'émotion, mais ça c'est une autre histoire. Non, je pense que l'art est quelque chose de très subjectif et au même titre le jeu vidéo peut être très subjectif. Il est pas en train de nous enfumer là. Non, en partant du principe pour moi, l'art est ce que l'on en fait et le jeu vidéo est ce que l'on en fait. Donc si on a envie que le jeu vidéo soit de l'art aux yeux de mais non, on s'en fout de l'art. Déjà ça en est pas, petit 1, on va arrêter là et 2, on parle du vecteur d'émotion avec le jeu vidéo et le vecteur d'émotion et de l'art. Non, c'est pas ça. Bon. Il est bien avec ta jeu, sinon. Ça a l'air cool. Ah, le jeu sous en fait, là, il a l'air sympa. Hein. Ah, ouais. Allez, con. Bon, vous savez quoi? Allez, j'en ai marre. Artistiquement parlant... on va artistiquement passer au test du jeu en fil rouge, justement, Exas, qui, par contre, lui, a l'air d'être une vraie œuvre d'art sous acide. Nico Chef. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Écoute, je me rends... Je peux pas te laisser dire ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu artistique? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je peux pas te laisser dire ça non plus. Moi, je pense que c'est un vecteur d'émotion. Je pense que c'est un vecteur d'art. Non, mais... Vous me laissez pas faire le test. Et l'art est une émotion qui se fait. Alors, je vais prendre le... Parce que là, Nico, on l'a perdu, définitivement. Ouais, je crois que c'est mort. Donc, Laurent, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, en fait, c'est un... Pardon. Non, mais retire le micro, on n'entend même pas Laurent. Va rien dans ta chambre, allez hop. C'est un jeu assez ancien dans lequel, vous voyez, au milieu, vous avez ce robot là qui dort. Et en fait, les circuits électroniques que vous voyez à gauche et à droite, dans ces circuits, on voit passer les petites animations. Ce sont des signaux électriques qu'on doit faire amener au cerveau du robot pour animer des émotions comme le rire, la tristesse. Des fois, elle se met à loucher. Donc c'est plutôt un jeu de réflexion. Extas, c'est un des jeux les plus difficiles à expliquer. Faut vraiment y jouer. Et même à regarder. C'est un jeu très étrange au sens où les deux premières fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est quoi ces machins verts et rouges? Alors c'est des je barre la route ou je fais un... Voilà, c'est ça. Ce sont en fait, il y a trois phases. Il y a trois phases au jeu en fait. Dans la première phase, tu vois là, j'ai pris le petit point rouge qui est là. Enfin, je prends par exemple celui-là. C'est la bulle verte là. Voilà, ouais. Je suis la bulle verte. Là, il va y avoir mon point rouge qui va apparaître. Je dois marquer la route que je vais suivre en rouge. Si je marque pas cette route, les petits trucs électriques qui arrivent par le bas là, ils vont se paumer. Okay. Et en fait, ils vont pas passer. Tu vois là, typiquement, celui qui est là, il va exploser à partir du moment où il est plus sur la ligne rouge. Ok? Et si tu peins tout en rouge, ça marche alors? Bah justement, le but c'est de peindre en rouge toutes les lignes qui arrivent ici jusqu'au cerveau, là, d'accord? Et après de maintenir ces petits passages là, vous voyez, que j'ai. Ces petits passages là sont détruits par les chocs électriques que vous voyez ici, vous voyez? D'accord. C'est celui qui est là, que je suis là. Et donc à chaque fois je dois les remettre. Et le but c'est d'avoir les trois, par exemple ici typiquement, c'est d'avoir les trois impulsions électriques en même temps sur le cerveau. Ouais, c'est bien ce que je veux dire. Ouais. C'est de la ouais. réflexion. Hein. Non mais. Ouais. Non mais je comprends. Ah, tu l'as fait chialer là-bas. Tu fais pleurer les femmes. C'est en fait vraiment Extase. C'est un jeu sur lequel il faut y passer un peu de temps au début. Ouais, non mais c'est. Et au fur et à mesure, on découvre. Alors, on découvre des choses insoupçonnées, mais c'est quelque chose d'assez unique. On va dire, il n'y a pas eu beaucoup de.
c'est un peu un ovni quand il est sorti. Et bon, l'équipe de Cryo à l'époque, ouais, c'était un peu des indés, voilà, des artistes. Moi, j'ai une anecdote sur Laurent, si vous voulez, après, à propos d'Extase. Non, mais voilà, Nick. Oula. Excusez-moi de vous demander pardon. Sorti du contexte. Tu trouves une occasion de te moquer de moi ou? Tu sais très bien de quoi je parle, Laurent. Vas-y, c'est très bien. À l'époque où Extase est sorti, en fait, on n'avait pas beaucoup de boutiques de jeux vidéo sur Calais. Il y en avait une qui était située près du parking Charost, n'est-ce pas Laurent? Et donc, mon frère est allé dans cette boutique et il a demandé à la vendeuse: bonjour madame, est-ce que vous avez l'Extase? Enfin, Extase. Et là, la dame lui a répondu: ah monsieur, c'est pas ici que vous allez la trouver. Et donc moi, ça m'a fait bien rigoler parce que bon, pour une boutique de jeux vidéo, enfin, c'était pas une boutique de jeux vidéo. Justement, ça devait pas être une boutique de jeux vidéo, ça devait être des gens qui faisaient ça. C'était plus de... Non. En fait, ils vendaient plein de choses, mais les jeux vidéo, c'était pas leur truc principal, quoi. Puis, ils voyaient arriver deux ados, alors ça, tout de suite, ils étaient en mode... En fait, ça m'a bien fait... En mode guerrier, on va dire. Mais en fait, tu cherchais du VHS, c'était un film. De quoi? J'ai pas suivi, pardon. Extase, c'était un film, et c'était une VHS qu'ils cherchaient dans la boutique. Oh putain, il y avait... Non plus. Non, j'en sais rien. Ah, ben... Alors, VHS, pour ceux qui ne savent pas, c'est... L'ancêtre du DVD. Laissez tomber. On les références. Mais laissez tomber, c'est pas grave. Et donc, niveau gameplay, ça a l'air très compliqué en soi, puisque t'es une bulle qui change des icônes de, enfin, tu vois que tu fais des passages, des routes, des machins, ça a l'air très compliqué non plus. C'est plutôt dans le gameplay, après c'est la manière dont tu l'utilises, quoi. C'est pas tellement le... Ouais, tout à fait, ouais. Là, je galère un peu parce que bon, il faut une bonne souris. À l'époque, il y en avait pas de bonne souris. Enfin, je sais pas si vous avez connu les souris de l'Atari ST ou de l'Amiga, et je peux vous les dire. Non, pas les trackball, c'est les souris à boules. Ah non, c'était des vraies souris, mais c'était pourri. Des vraies souris? Ouais, t'avais qu'une précision, c'était catastrophique. T'avais qu'une précision, ça s'encrassait à une vitesse astronomique. Carrément. Et du coup, là, avec des souris normales, enfin classiques d'aujourd'hui, USB, petite lumière, tout ça, là, ça passe bien ou À la preuve, il gagne. Je galère un petit peu quand même, hein, je le dis. Parce qu'il faut y jouer aussi assez régulièrement. En fait, la courbe d'apprentissage est assez élevée, c'est ça le problème de ce jeu. Carrément. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai joué finalement en mode de joueur, parce que sinon je gagnerais jamais. Et en fait après quand on me disait bien que t'étais vachement bon aussi. Non, quand on saisit les subtilités, on découvre des choses. Ça peut être magique en fait. Bah là je vais vous montrer sur le premier niveau. Alors c'est pas tout à fait pareil, c'est pas le même genre de jeu, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer Katamari et ça me fait plus ou moins les mêmes émotions. Tu vois, quand je réussis à faire un truc et que j'essaie de l'expliquer aux gens, voilà quoi. Tu vois là typiquement, je marque la route. D'accord. Voilà. Donc du coup, le truc, il le suit, ok. Là, ici, ma route est barrée. Paf, je la remets là. Faut juste que j'arrive. Hop. Et pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est vert? Je comprends pas. De quoi ça, ici? C'est rien, c'est juste que tu peux le choper que quand c'est rouge, c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Tac. Et tu peux faire chier l'autre en face ou pas? Ah oui, tout à fait. Bah, tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, quand j'étais en mode de joueur, on se battait à deux comme ça, quoi. Parce que j'allais piquer ces trucs à lui, quoi. D'accord. Ah, c'est un jeu de chien. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça a conseillé? Est-ce que ça a évité? C'était bien. Moi, je le conseille, moi. Voilà. Merci, oui, parce que il n'y a pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ça aujourd'hui. C'est le seul. Et alors, donc, il faut pas être rebuté par les 5 ou 6 premières parties. On va se prendre des tôles, c'est évident. Et après, quand on revient dessus, on fait ah ouais quand même. Ouais, et je pense que c'est un très bon vecteur d'émotion et d'art. Non mais donc du coup, à découvrir, ne serait-ce que pour le côté, si vous êtes curieux, si vous avez envie de tester un truc que vous n'avez jamais vu avant, c'est à tester. Non, mais il est extrêmement addictif quand tu pousses un peu dedans dans le jeu, quand tu croches dedans, vraiment, il est extrêmement addictif. Ouais, mais c'est pas le genre de jeu où tu vas dire tiens, je vais faire une partie pour tester, c'est pas possible. Non, c'est absolument impossible. Je veux dire, c'est pas Tetris où tu saisis le côté addictif du jeu en 2 minutes. Et il faut vraiment. Et un truc qu'on n'entend pas parce que c'est une vidéo, et les musiques sont absolument fabuleuses. Tout à fait, ouais. D'accord. Elles sont interactives, elles changent en fonction de ce que tu fais. Ah, c'est l'ancêtre de Rez un petit peu, quoi. Voilà, c'est une expérience. Extra, bon. C'est une sacrée. Ouais, la musique, comme tu dis, elle change. C'est en fait en fonction des émotions que t'actives chez l'Android. Tout à fait. D'accord. Mais donc vraiment réservé aux curieux, là, plutôt. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, version Amiga ou Atari ST, les deux se valent. Ouais, il y a pas. Ouais, se valent, y a pas de souci.
Vous savez si c'est dur à trouver au niveau Non. Si vous voulez vraiment la cartouche et tout ça, c'est dur à trouver. Ah, la cartouche. Non, il n'y a aucun problème. D'accord. Que ce soit l'émulateur et tout, ça se trouve sur le net sans aucun souci. Non, mais l'émulation, c'est pas bien, c'est le mal. Pirate. Non, je parlais pour les éventuels collectionneurs qui aiment les trucs un peu curieux justement. Un peu auréolé, c'est ça, ouais, vas-y, dis-le. pas vraiment là. Mais non, mais il y en a qui aiment les curiosités ou les jeux un petit peu bizarres comme je dis moi avec Katamari, c'est émotion hein, moi après si tu veux. Voilà, enfin, je veux dire. Non, pas cette émotion là. Ouais, après bon, c'est comme tu veux, on peut en parler aussi si tu veux. Ouais, mais non, ouais, ce sera diffusé après 22h donc. Non, mais voilà, donc à réserver plutôt aux curieux. Bon bah écoutez, ben bah, merci pour le ce jeu, je sais même pas si on peut appeler ça un jeu. Non, si, c'est un jeu, oui. C'est cette expérience. Ouais, c'est bien expérience. Ouais, c'est ça, profond. Ça fait un peu. C'est une belle... ça fait un truc un peu mystique, un peu sérieux et tout. Un très beau jeu, fait par de belles personnes. Voilà. C'est profond. Des artistes qui ont fait de l'art. Voilà. Bon, on arrête les conneries. Allez, stop. On a fait la grosse question, on a fait le test, on passe. Bon, on va passer à la fin du podcast avec le jeu du moment. Donc à quoi est-ce que, alors hormis Extase bien sûr, à quoi est-ce que vous jouez en ce moment? C'est quoi le dernier ou parmi les derniers jeux que vous êtes fait, Nico Chef? Ah, je me suis fait un jeu super récent, je me suis fait Pac-Man avec les enfants. Okay. Voilà. Ça sort bientôt. Ouais, c'est sorti déjà. C'est bien. Non mais je sais, ce qui est bien, c'est que quand tu sors un jeu comme Pac-Man, comme tout le monde connaît le principe, si tu veux, il y a pas trop besoin de broder autour. Mais tu joues sur quoi, sur émulateur du coup? Ouais, sur émulateur arcade. Je crois que c'était le mal. Ouais, c'est le mal, tout à fait. Mais Nico Chef est un envoyé du mal. Voilà, tout à fait. Donc non, et les gamins, ils accrochent à Pac-Man? Bah oui, c'est le B.A.B.A. Enfin, c'est un jeu simple, donc à partir de là, ça, un bon jeu reste un bon jeu, hein. Excuse-moi, un gamin, tu lui donnes un 32X avec Snake, il te le balance à la gueule parce qu'il a un iPhone. Non, mais je suis d'accord, mais là, Pac-Man, je veux dire, c'est à appréhender, ça prend 2 secondes. Je veux dire, le principe est super simple. Oui, mais il aurait très bien pu te dire, non, parce que c'est tes enfants, donc du coup, je pense pas. Mais, tu me donnes un autre temps, il t'aurait dit, mais moi, j'attends le dernier Call of, qu'est-ce que tu veux avec ton jeu de pécor, là, tu vas pas jouer en balai. Je vais vous dire un truc. Il est vachement mal élevé, ce gamin, hein, je trouve, mais. D'expérience avec l'asso, ça ne m'est jamais arrivé de tomber sur quelqu'un qui s'est pointé et qui m'a dit ouais bah je veux un call of ou ouais c'est nul quoi. D'accord. Honnêtement, même au niveau de l'asso, j'ai jamais eu ce genre de cas. Alors effectivement c'est plus simple parce que les gens qui viennent voient que c'est des vieilles machines donc ils viennent parce qu'ils sont intéressés. Mais ouais. En tout cas, enfin j'ai jamais eu. Et puis Pac-Man c'est un indétrônable quoi, c'est comme Tetris, ça marche, ça a marché. T'as tout dans le jeu, t'as du challenge, tu dois utiliser la dextérité, tu dois être un peu malin aussi, enfin. Personnellement. Et donc, Nico, t'es arrivé au niveau 256. Au moins, facile. Mais sauf qu'il n'existe pas. Enfin, c'est pas celui-là où il plante, je crois, 255 ou 256. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Il me semble. Oh là là, la question piège pour voir si c'était vraiment une geek, quoi. Oh là là. T'as remarqué comment il est, hein? Alors. Ah ouais, Pac-Man, mais alors, si Pac-Man, on attaque c'est ce le petit là, bonhomme vert, c'est ça? Non, tu comprends pas. Ah là là, non mais c'est pas grave. Quand tu rentres le Konami code dans Pac-Man, se transforme en Pac-Man aussi. Oui, vu que c'est eux qui l'ont fait. Les mecs, ils peuvent pas t'attraper, passer avant. C'est eux qui l'ont fait. Dis-moi que t'étais pas sérieux. De quoi? T'étais pas sérieux c'est quand Namco t'as dit. Qui a fait Pac-Man. Ouais, c'est Namco, hein. Eh bien sûr que c'est Konami. Tu peux avoir Son Goku dedans, donc du coup, forcément, ça connaît. C'est Namco et c'était, ça devait être même avant qu'ils fusionnent avec Bandai du coup, mais c'était Namco, je crois que ça s'est créé avec un T à l'époque même. Donc, ouais, alors tout à fait. Je connais pas le fin mot de cette histoire. C'est dans quel jeu que j'ai vu Namco? C'est dans... Bah, dans les vieux jeux Namco. Oui, voilà, mais il y a un jeu sur PC Engine, je sais pas si c'est pas... Ah peut-être. Dragon Spirit je crois. Ou je sais plus. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Et justement, j'avais jamais remarqué, et je crois que c'est il y a pas longtemps, quand on a fait l'animation pour la sortie du film Pixels, le mec m'a dit, ouais, c'est marqué Namco dessus. Je dis, ouais, c'est bon, déconne. Oh merde. Ah non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais quand même, l'autre, il me prend vraiment pour un new, quoi. Donc Pac-Man, voilà. Bah écoute, pourquoi pas, bientôt, bah écoute, dans 5 ans, on pourra peut-être faire un podcast sur ton prochain jeu, Miss Pac-Man, que t'auras découvert d'ici là, je sais pas. C'est bien aussi, hein. Non, mais des fois je joue à des jeux récents, ça m'arrive, hein, faut pas croire. Mais c'est rare. Ah ouais. Un Storm Gym, tout ça. Ouais, c'est récent. Il y a des couleurs et tout à l'écran, c'est super top. Il y a 2D, tu t'imagines. Freddy, ton jeu du moment. Oui, j'en ai un. Gros homme. Ah, c'est cool. Gros homme, sur PC. Voilà, c'est le petit jeu vidéo qui a été repéré
par Ubisoft et ils ont estimé qu'il y avait un potentiel, donc ils l'ont publié sur divers supports. Tu incarnes un petit robot, tout est en 3D surface pleine, t'as aucune texture, ouais. Et tu arrives sur une planète. Non, tu arrives sur une planète en fait, et tu es là pour ramasser des échantillons, récupérer une plante. Et en fait, la plante, tu peux la faire grandir, pousser en quelque sorte, de manière presque quasi aléatoirement et quasi infiniment. Voilà, tout simplement pour atteindre tes objectifs, remonter sur ton vaisseau qui se trouve en orbite au-dessus de la planète. D'accord. Mais pas que. Voilà, il est court. Hein. Il est pas que man, il est aussi robot. Mais c'est un très bon petit jeu, franchement, pour des enfants. Ouais. Même pas que pour des enfants, une très bonne distraction, un peu court. La rejouabilité, il y a des petits challenges supplémentaires qui s'ajoutent une fois qu'on l'a terminé rapidement et qui rallongent d'autant plus naturellement. Ouais. Il est trop cher ou il est quoi, il est à 8€, un truc comme ça? Franchement, sincèrement, je sais plus, moi je l'avais eu en grosse promotion, donc j'ai eu pour rien, quasiment, pour ainsi dire. Mais bon, non, franchement, c'est une bonne surprise, c'est rafraîchissant, c'est coloré, c'est mignon, c'est joyeux, Ouais, 8€ sur Steam, donc voilà. Même s'il est court, ça va, c'est pas très cher, donc. Ouais, c'est... non, mais voilà, même attendre une promotion s'il faut, mais non, très bon petit jeu, avec une bonne petite rejouabilité, très impressionnant, en fait, qui donne bien le vertige quand on est en hauteur, donc, je le conseille. Ah bah une autre sensation, un autre sentiment de vertige, ça tombe bien. Ouais, c'est une vraie œuvre d'art. C'est fait par des artistes. Exactement. Tiens, puisqu'on parle d'artistes, Laurent, ton jeu à toi? Oui, alors contrairement à ce que je vous ai dit en préparant ce podcast, mais en fait il y a un jeu qui m'explose en ce moment. Donc moi j'habite à Lyon, donc comme les Parisiens, je partage le fait que j'ai pas mal de transports en commun. Et ouais. sur mon portable, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Flowers, un jeu assez ancien. Ça ressemble un peu à du Tetris, où tu poses des fleurs qui changent de truc, et c'est ultra addictif. En fait, c'est comme ce genre de jeu à la Tetris, ou machin, tu fais une petite partie qui a l'air sympa, et en fait, au bout d'un moment, tu dis, eh merde, bon, je suis déjà arrivé au boulot. Alors, pas tellement que ça m'embête d'arriver au boulot, mais du coup, je peux plus jouer. Donc, ça s'appelle Flowers. Ouais. Donc, ah oui, c'est vraiment un Tetris, quoi. Ah oui, ça ressemble beaucoup à Tetris, un petit peu, il y a des subtilités dans les niveaux. Et enfin, la manière de jouer, c'est voilà, très simple, graphisme, animation très simple, c'est un jeu pour mobile, on comprend les règles en 2 minutes, d'ailleurs c'est mon fils de 6 ans qui me l'a fait découvrir. je croyais qu'il t'avait expliqué, j'ai eu peur. Mais... Aussi, il m'a montré en me disant, regarde, je te montre ce jeu-là, c'est super. Et au début, je trouvais ça, ouais, bon, ok, ça ressemble à Tetris. Et en fait, j'y passe beaucoup de temps en ce moment. Pratiquement tout mon aller, tout mon retour, donc ça me fait 1 heure par jour, j'y joue. D'accord. Sur mon portable, et ça me bouffe les batteries de mon portable. Alors je sais que ça existe sur Windows Mobile, parce que je suis sur Windows Mobile, mais je pense que ça existe aussi sur d'autres plateformes. D'accord. Bon bah écoute, aux gens de chercher éventuellement. D'accord. Donc un bon petit jeu, ne serait-ce que pour passer le temps. Ok. Exactement, et très sympa. Ok. Ben moi personnellement, là j'ai un petit peu décroché parce que j'en suis presque à une overdose. Mais c'est du rétro quoi, que vu que la PS Vita est sortie. Mais c'est LocoRoco 2 sur PSP. J'en ai parlé rapidement début de mois. Excusez-moi. Oui. Vraiment, c'est un peu comme Katamari. C'est un peu bizarre à expliquer. Voilà, vous êtes une petite boule de gelée ou de je ne sais trop quoi, et en fait il y a des fleurs qui poussent dans un niveau un peu labyrinthique et dans lequel vous pouvez pas forcément revenir en arrière parce que des fois ça c'est des pentes et tout comme ça, mais il y a des fleurs qui poussent. Quand vous prenez la fleur qui est au bout, enfin le fruit, vous doublez de volume. Et en fait, vous avez 20 petites fleurs à trouver dans le niveau pour atteindre une espèce de masse considérable. Vous pouvez vous séparer pour passer et vous séparer en 20 petites billes pour 20 petites coups pour passer dans différents endroits. Enfin, c'est vraiment très addictif parce qu'il y a plein de passages secrets à chercher. C'est des graphismes très enfantins et surtout il y a un truc qui est extrêmement addictif. J'ai un peu honte, mais c'est la musique. Voilà. Si vous avez testé, il y a. C'est, voilà. C'est un peu comme si les Teletubbies qui ont fait un disque, quoi. C'est un peu comme Patapon, quoi. Patapon, c'est un jeu de rythme. Là, ça l'est pas forcément, même s'il y en a. Mais voilà, vous rencontrez des ennemis. Les ennemis, c'est un peu comme les Pokémon. Ils font un bruit qui est leur nom, en fait.
Donc vous avez des amis qui s'appellent les Bibi qui font Bibi Bibi et les Mojo qui font Mojo Mojo. Enfin voilà, c'est très c'est un peu ça. C'est très enfantin, c'est très coloré et c'est surtout très très addictif parce que vous voyez, il y a Noélie qui joue à Yoshi sur la Wii U en ce moment. Et pareil, c'est très facile, c'est si vous le faites en ligne droite, vous le finissez dans l'après-midi, mais si vous voulez vraiment choper tous les petits secrets, vous en avez pour 2 ans quoi. Donc LocoRoco, c'est un petit peu je sais pas, c'est Sony qui fait du Nintendo quoi. C'est ultra accessible, ultra facile et pourtant il y a des trucs qui sont vraiment des challenges et c'est très très addictif malgré le côté très très gamin quoi. Je vous le conseille vraiment. Le 1 ou le 2, c'est pareil, c'est les mêmes. Voilà, enfin après le problème c'est qu'il faut avoir une PSP. Donc ouais, bref. Ouais, je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Moi, je la ressors régulièrement, notamment pour Patapon, tiens. Oui, qui est un très bon jeu aussi. Voilà. Sur ce, est-ce que, on va finir donc le podcast dans le temps de faire cette petite rubrique, est-ce que vous avez des coups de cœur et ou des coups de gueule à nous faire partager? Nico Chef. Ouais, moi, c'est pareil, hein, j'ai fait Brocante dimanche, hein, pour ceux qui savent. Ouais, moi, j'ai poussé un coup de gueule, encore une fois, envers ceux que je surnomme gentiment les rapaces. Parce que bon, en fait, ces mecs-là, ils tuent, bah non, mais, en fait, ce sont des gens. C'est vraiment que t'es gentil, je veux dire. À 6h du mat, qui viennent t'acheter toutes les cartouches, tous les jeux, tous les trucs qui peuvent être plus ou moins rétro. Et puis après, qui vont les revendre à 4 ou 5 fois le prix. Alors, c'est super sympa, mais bon, en attendant, pour ceux qui s'intéressent, comme moi, je trouve que d'une part ça tue tout le truc, ça tue tout le marché du rétro, parce que là depuis, je trouve que l'année dernière déjà je disais que ça avait pris des proportions énormes. Là, depuis un an, c'est devenu un truc de malade. Des MSX ne se négocient pas en dessous de 80€ quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais même des Mega Drive, des Super Nintendo, regardez les prix, allez voir un petit peu. Même oui, de toute façon, où que tu ailles, de toute façon tu peux regarder où tu veux. Les gens, ils en veulent un prix de malade. Il y a pas très longtemps. J'ai un mec ici à Calais, donc ma femme elle aime bien faire tout ce qui est, vous savez là les ventes aux enchères mais sur Facebook, généralement ça se fait localement. Et donc je tombe sur un mec qui vend des vieux jeux. Quoi. Donc, le mec on sympathise et tout, il me revend 2-3 jeux sympas, pas trop cher. Puis il m'écrit, il me dit bah ouais là j'ai toute une liste, si vous voulez, si en a vous intéresse c'est au plus offrant. Ouais d'accord. Quand le mec me sort des Manhattan sur NES à 110€, si tu veux, gentiment, bon, là, il y a un moment donné, il faut peut-être arrêter, quoi. Ah, mais il est quoi, il est sous scellé, le jeu, ou Non, il est en boîte, la boîte est en bon état, quoi, voilà. 110€, pour un jeu comme ça, en plus, mais arrête. Non, mais attends, c'est pas nouveau, de toute façon, moi, je voyais, rien que dans des magasins, genre, Easy Cash, mais ça t'aide pas des prix comme ça, après. Je prends juste l'exemple Final Fantasy VII que j'ai déjà aperçu à 80€ quoi. Ouais. Encore ils sont calmés parce qu'à une époque tous les FF étaient à 60€. Vu que maintenant il y en a beaucoup, ils sont entre 30 et 50 selon l'état. Ouais. Mais dites-vous que moi, à un moment donné, là j'en arrive à un point tellement c'est cher sur Le Bon Coin et compagnie, sur eBay, etc. Des fois je trouve moins cher à Game Cash. Oui c'est vrai. Ou alors au même prix mais sous garantie si vous préférez. Ah ouais. Là, ils vendaient la Neo Geo Gold X d'occasion, 150€. Donc c'était 300€ neuf. Là, 150 d'occasion, bon état. La boîte étant, comme ils le reprennent en bon état, ils le vendent en bon état. Mmh. Je suis allé voir sur eBay et compagnie. Eh ben, c'est plus cher. Ouais, mais c'est abusé. Ouais, sur les sites, sur Internet, c'est une catastrophe. Pour dire que Game Cash, Cash Express et compagnie, c'était quand même. Ils avaient trouvé le filon et c'était un peu des voleurs. Eh ben, j'arrive à me dire que ils ont des bons prix, quoi. Ouais, mais eBay. Alors le problème, c'est que eBay a eu longtemps la réputation. On se disait, bah tiens, tu vas aller sur eBay, tu vas choper des trucs pour pas cher. Et en fait, je m'aperçois que maintenant, je crois qu'il y a quelques sites d'ailleurs qui en font l'écho en disant, bah attendez, vous croyez que sur eBay c'est moins cher. Et tu compares, tu vas juste regarder sur Internet, tu fais ah ouais tiens. Et il y a des prix clairement abusés, j'avoue. Il y a même plus de principe d'enchère sur eBay, les mecs ils blindent ça déjà direct quoi. Ah, c'est achat immédiat voire faire offre. Donc moi voilà. j'ai acheté Panzer Dragoon Saga il y a 3 ans. Mm-hmm. Je l'avais payé cher. Là maintenant il vaut 300€. Ah c'est ça ouais. Bah oui mais. Mon Dieu. Mais moi 300€ le. Dans ma collecte perso, j'ai des pièces qu'on m'a données ou que j'ai récupérées pour 3 fois rien, mais qui maintenant valent 5-6 fois le prix, enfin un truc de malade quoi. Non mais tu vois, sans vouloir arnaquer les gens non plus, moi quand je reprends les jeux, je les prends à un prix raisonnable, mais
Enfin, les gens pensent que, ouais, Maniac Mansion, il vaut peut-être 110 euros, mais non plus, quoi. Ça les vaut pas, enfin, tu vois, c'est ça, à une époque, je me disais encore, ouais, tiens, plutôt que m'acheter un jeu PlayStation à 60 euros, pour 60 euros, je peux avoir une Mega Drive avec une dizaine de jeux, ça peut être sympa. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, t'as deux manettes maintenant. Avec voilà, t'as deux manettes et encore en mauvais état, quoi, donc. Voilà, je veux dire, voilà. Bon, ouais, non, là, j'ai un Mega STE que j'avais récupéré, que j'ai récupéré gratos, quand tu vois le prix du Mega STE maintenant, là j'ai un mec qui m'a proposé de l'acheter quand même. Hein. Oh super. Bah. Pareil, l'Amiga, là j'ai un Amiga en boîte, le mec il est venu au box, il était prêt à me lâcher 150 euros tout de suite pour le vendre avec la boîte. Quoi. Non, ça va pas être possible, non. Et non. Ils sont débiles. Ouais non mais enfin voilà. Ah non mais bah, après c'est bah écoutez, c'est les capitalistes. Oui non mais là on pourra plus rien faire pour maintenant, mais tu vois du coup ça gâche un peu le plaisir. Alors maintenant c'est bien, j'ai ce que je voulais en machine. À peu de choses près, j'ai à peu près toutes les machines que je voulais. Mais bon, faut arrêter de déconner, quoi. C'est pareil, quoi. De la Neo Geo avec des jeux, le mec qui a lâché 900 euros, quoi. 900 euros, le mec. Il l'a fait devant moi, hein. Mais, qu'est-ce qu'elle avait, cette Neo Geo? Elle était, Bah, elle était en boîte, elle était nickel, il y avait trois jeux avec. 900 euros, le mec qui les a lâchés, quoi. Donc, voilà, enfin, après, Elle est con. Bah, après les gens font ce qu'ils veulent. S'ils estiment que ça les vaut, bah ok, allez-y, achetez-vous ça. Mais la plupart des gens, ils s'en servent même pas. Ça reste en boîte, quoi, je veux dire. Bah ouais. Moi, ça ouais. me ferait mal. Honnêtement, ça me ferait mal. Je préfère encore péter ma console en jouant que de me dire, c'est bon, quoi, je vais la laisser là et puis elle va jamais servir. Ça me ferait. Bah écoute, laisse. Il y a des gens bizarres. On va les laisser. Mais bon, c'est un coup de gueule que je partage. C'est vrai que du coup, je fais même plus les vide-greniers, moi, personnellement. Ah, moi, j'ai arrêté, moi. Tu vois, là, j'ai fait la brocante. Je suis allé voir, mais bon, je suis pas allé beaucoup plus loin parce que je savais qu'il y avait déjà plus rien, quoi. Ouais. Le petit LS, les gens, ils en veulent une somme. Faramineuse. Ouais. Voilà. Bon. Ok. Ben merci. Freddy, à toi. Eh ben écoute, un coup de gueule et un coup de cœur. Donc le coup de gueule, c'est contre le gros connard qui a racheté une entreprise de fabrication de médicaments qui a fait passer de $13 à $750 le prix du médicament contre la toxoplasmose, si je ne me trompe pas. Ah oui. C'est un gars qui fait du rétro aussi, non? Non, lui il fait juste du bénéfice. Il a justifié ça en disant qu'il fallait appliquer le tarif aux maladies rares. Nous sommes une entreprise jeune, il faut que l'on soit rentable, on est encore un peu fragile sur nos bases, donc il faut qu'on augmente le prix, voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, il va se dire oui, mais ça servira aux gens qui sont malades. Non, justement. Ouais, d'accord. Pas les servir. Non, ça va pas les servir, ça va les desservir, ça va les asservir même. Je partage ton côté. Bienvenue dans l'économie capitaliste. Exactement. Voilà. On finit par croire que je suis communiste, moi, à force. Mais tu es communiste. Ah, parce que tu l'es pas? Ouais. Dieu m'en préserve. Oh non, on va croire que je suis chrétien. Oh putain, merde. bon, continuez. Arrêtons de parler des races disparues. Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Et donc, un coup de cœur peut-être? Le coup de cœur, c'est l'exoconférence d'Alexandre Astier que j'ai eu l'extrême chance de voir hier au 12e rang, par terre. Ouais, il a eu de la chance, parce que d'habitude, quand il arrive à l'entrée, on le jette, alors. Voilà. Pardon. Non, franchement, c'est un pur bonheur ce spectacle. C'est différent du premier spectacle que Ma Joie Demeure. C'est moins fouillé techniquement, mais c'est tout aussi. Enfin, c'est encore plus barré. C'est dans la démesure, avec des phrases bien senties. Une recherche malgré tout bien sentie, bien que moins technique. Mais non, franchement, faut le voir pour ceux qui. Donc pour ceux qui aiment Astier, c'est du Astier, quoi. C'est. Voilà, il sort en DVD très bientôt d'ailleurs. Ah, parce que le problème c'est qu'il y a plus de place. C'est complet. Là, hein. C'est complet. Il termine à Lyon. Il prend la plus grande salle et c'est blindé depuis des semaines. D'accord. Moi, c'était complet aussi, donc voilà. Ok. Bon, donc du coup, tu le conseilles, mais quand ça sortira en DVD. On va faire ça. On peut faire ça comme ça, oui. Ok. Bon, bah écoute, merci. Laurent. Moi, c'est juste, c'est pas un coup de gueule non plus ni un coup de cœur. Je ne comprends toujours pas la fascination qu'exerce Apple aujourd'hui, surtout après la dernière conférence où là, grosso modo, on sait qu'on va raquer, mais je suis, voilà, c'est le néant. Tout le monde est fasciné, c'est extraordinaire. On sortir un stylet sur un iPad géant. La question c'est pas de savoir où ils vont s'arrêter, c'est la question c'est de savoir quand est-ce que vous allez arrêter d'acheter peut-être. Peut-être, ouais. J'avoue que la fascination
C'est pas faux. Il y a quelques années, ça se comprenait, mais là, c'est, voilà, je reste très dubitatif. Je suis pas fasciné par Apple, mais Non, mais ils font des bons produits, certes, mais enfin, ils prennent quand même les clients pour des énormes vaches à lait, quand même. Enfin, c'est quand même super déconné. C'est pas nouveau, hein. Ça marche? Enfin, bon, oui, non, mais voilà, mais ça c'est marche. Pas nouveau. Si, ça marche, mais ça, le problème, c'est que, moi, ce qui me choque, toujours pareil, c'est pas que les gens vendent des jeux rétro super chers, c'est qu'il y a des cons qui les achètent, quoi. Là, c'est pareil, il y a Apple qui arrive et qui dit, bon, les gars, cette année, on va vous niquer. Ben, pourquoi vous, tu sais quoi, moi, je vais aller acheter un Windows Phone. Non, je déconne, mais je vais aller acheter, j'achèterai pas Apple, quoi. Ouais. Enfin, je pense, c'est... hein, c'est, je dis pas que c'est la... C'est clair. Le problème, c'est que tout le monde est devenu accro à Apple, et c'est vrai que c'est... Ouais, mais pour les mauvaises raisons, et du coup, ils ont laissé un peu le côté ordinateur, ce que je regrette un peu. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'avant, Apple, c'est surtout des bons ordinateurs, des bons produits, là, j'ai l'impression que c'est surtout des produits chers. J'étais très déçu par le dernier OS, moi, personnellement, donc j'attends El Capitan avec un regard un peu circonspect, mais bon, on verra. Ça, après, je peux pas... En tout cas, la conférence, ça sent une bonne année d'arnaque de la part d'Apple, quoi. Ouais. Bon. Voilà, donc c'est pas, j'ai rien contre la marque et tout, je trouve qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Oui, bon, voilà, c'est pas la... Les gens continuent à acheter. Il y a eu en Australie, il y a un mec qui, une semaine avant la conférence, dormait dans les Apple Store pour être sûr d'avoir les nouveautés en premier, quoi. Ouais, et on se foutait de la gueule des Japonais il y a 20 ans quand Dragon Quest sortait, on disait, oh, regardez, c'est con, ils font la queue devant les magasins. Alors que maintenant, tout le monde le fait devant les Apple Store, quoi. Enfin, et sache que maintenant, c'est hype, c'est comme le rétro. Le geek, c'est chic, voilà. C'est trop hype, quoi. C'est hype. Trop swag. Wow, trop de swag. Oh, j'en peux plus tellement il y a trop de swag. Alors, bah écoutez, je vais pas finir avec un coup de gueule, je vais plutôt finir avec un coup de cœur avec, une fois de plus, une série que j'ai découvert sur le tard, alors vous connaissez peut-être, hein, The Office. Mmh. Je connais le nom. De nom. Voilà, The Office. Alors la version US, j'ai pas vu la version, je sais qu'il y a une version anglaise, ça vient d'une version anglaise. Tout à fait, c'est différent. Voilà, mais moi j'aime beaucoup l'humour anglais, donc je sais pas, j'ai pas encore testé. Mais en tout cas, la version US est vraiment très très bonne. Au début, j'ai eu du mal à accrocher parce que c'est très particulier comme ton, on va dire. Il faut vraiment beaucoup aimer les spectacles, les stand-up, les late night, les spectacles un petit peu comme ça, pur américain, puisque c'est avec Steve Carell. Je sais pas si vous connaissez, oui, peut-être. Oui. Voilà. Bon, donc très très bon Steve Carell qui joue un personnage assez fabuleux. Et cette série démarre un peu mollement et ça prend de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur. Il y a un coup de mou à la saison, je sais plus, 4-5 ou quoi, mais alors après ça part dans tous les sens et c'est à mourir de rire, vraiment. Hein. Là en ce moment les épisodes durent 20 minutes, j'en suis à la saison 7 et je me tape quasiment un fou rire par épisode, quoi. Ah ouais, et ça fait des abdos, quoi. Il y a Steve Carell qui est très très bon, tous les acteurs sont très très bons, mais alors surtout Rainn Wilson, qui joue Dwight Schrute dedans. Ouais. Vraiment, oh putain, ils sont vraiment géniaux, quoi. Quand on voit la série, on rigole, et quand on pense aux acteurs et au travail qu'ils ont dû faire, c'est juste fabuleux, quoi. Si vraiment vous voulez rire, The Office en version US, fortement conseillé. En plus, ça doit rien valoir vu que c'est pas très connu, quoi. Bah, ça fait un moment que j'y songeais à faire ça. Non, elle est très bien, et juste un conseil d'amis, c'est que Canal Plus l'a adapté en français sous le titre Le Bureau. Ouais. Ça a duré qu'une saison, c'était déjà une saison de trop. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc la version anglaise, pourquoi pas, la version US sans problème, la version française... Non. Bah, l'anglaise et l'US sont différentes, il y en a une british et l'autre américaine. Les deux sont vraiment bien, une petite préférence pour l'américaine. Et la française est pourrie, pour le dire, c'est à chier. Voilà. C'est marrant, ça peut s'adapter à plein d'autres trucs que les séries, hein, ce genre de phrase. Tout à fait. La version française, c'est de la merde. Ah bah tiens, c'est étonnant. Tout à fait. Bah écoutez, merci pour ce podcast qui a duré 8h30 à peu près, je crois, 8h45, quelque chose comme ça. Le 30 septembre, là, tout va bien. Bienvenue à ce téléthon, quoi. Au début, on se disait, tiens, on fait une heure et demie, mais... Plus ça vient, moins on arrive à... Non mais là on a déconné, j'avoue que j'ai pas géré le truc, je mets à coup le pas, je ferai mieux la prochaine fois. Désolé à ceux qui ont passé 2 heures à nous écouter ou je sais pas combien. On va s'arrêter là. Ils tombent pas, ça s'arrête. Hein. Oui, non mais je sais de toute façon, ouais, ça peut pas être vous Nico Chef, vous êtes trop bien. Ah, ça c'est bien. Donc, bah écoutez, merci d'avoir participé, merci à la grosse tête de m'avoir tiré la langue pendant toute la durée du truc. Ouh, elle est pas contente là. Et puis, bah écoutez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao.
Ciao, au revoir. C'est bon, c'est coupé.